C'est bon, c'est parti, ou presque, presque, presque. Bonjour à tous, messieurs, dames, soyez les bienvenus pour notre Valo Hebdo hebdomadaire. Soyez les bienvenus. Je vais faire un petit peu de correction, puisqu'on a changé de setup pour le Red Bull Home Ground. Bien entendu, voilà, on va retirer un petit peu ce mur orange que je ne saurais voir juste sur le côté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé eh bien, un bon début de semaine sur Valorant. On a pas mal de petites news, bien comme chaque semaine, à regarder ensemble. Et on va y aller, écoutez, sans plus attendre, il est déjà une heure avancée. On va y aller maintenant. C'est parti pour le jingle des news. Impeccable, l'écran est d'ores et déjà affiché sur ma gauche, parfaitement équilibré. Donc patch 2.02 à l'heure où on se parle. Le patch est paru hier soir, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur de ce patch justement. Et on va se les découvrir eh bien, ensemble. On va aller regarder ça comme d'habitude. Et on va aller découvrir... Tac... Tic-tac-touc, les différentes news du jeu, puisqu'il y a pas mal de petites choses qui fourmillent dans ce jeu et qu'on va pouvoir eh bien, découvrir ensemble l'un des premiers faisceaux de news. C'est Riot qui nous en avait parlé un petit peu la semaine dernière. On était parti sur une croisade contre la triche du côté de chez Riot, la lutte anti-triche qui se durcit. Et on commence à avoir eh bien, des décisions un petit peu concrètes qui vont être prises dans les jours, les semaines qui viennent. Des bans de 90 jours pour les tricheurs et les passagers du bus. Donc typiquement tous les gens qui profitent de la triche pour pouvoir monter également. Donc voilà, assez dur, hein, 90 jours, ça fait 3 mois à une vache près. C'est pas une science exacte hein, les dates. Et on va pendant 3 mois avoir un compte bloqué. Un petit peu raide, mais en tout cas, ça a l'air assez sévère pour l'instant pour Riot. Également, ça fait plaisir, ben, lorsque vous avez été vous-même floué par des cheaters, vous allez pouvoir récupérer un petit peu de rééquilibrage. Donc voilà, vous ne serez pas pénalisé typiquement dans cette aventure-là. Deuxième news, on va partir sur la cosmétique, vous l'avez déjà vu, je l'ai mise la news puisque c'est une nouveauté par rapport à la semaine dernière, les skins Horizon, donc skins relativement standard avec une image en transparence, un petit peu comme le Nebula, un petit peu comme le skin de Noël, je me souviens plus exactement de son nom en français. Donc voilà, un petit package qui est là pour quelques jours encore seulement. Je crois, qui a eu beaucoup de succès hein, d'ailleurs, je l'ai beaucoup vu, que ce soit chez les pros, que ce soit chez les joueurs casu. Voilà, skin Horizons qui ne seront plus là pour très très longtemps. On va, je pense, on va pas enchaîner avec les skins, d'accord, je ne l'ai pas mis tout de suite. On va enchaîner avec le patch 2.02 donc, qui est paru cette nuit. Vous l'avez peut-être vu, il y a alors des micro-changements, c'est justement ce qui est assez intéressant dans le patch. De tout petits changements, notamment au niveau eh bien, de la précision des différents fusils d'assaut. On va en reparler tout de suite, donc Phantom Vandal, Guardian, Bulldog également. Les Diamants 3 sont maintenant eh bien, au même tarif que les Immortals en solo. Et Duo Q pour la partie Ranked, donc la partie classée. Et puis... une augmentation aussi de la convergence de score. On va voir immédiatement ce à quoi ça correspond. Voilà, pour les armes, la précision qui avait été très très longtemps décriée par les joueurs de haut niveau et les professionnels, on voulait arriver à quelque chose bien, qui ne permettrait pas forcément aux joueurs qui courent, aux joueurs qui sont en mouvement, d'être aussi précis qu'à l'arrêt. Il y a un petit côté CS derrière tout ça, mais c'était tout à fait louable. Effectivement, on s'est toujours... et je pense que vous comme moi, à tout niveau, on s'est toujours plaint de récupérer une grosse dinguerie dans la tête alors que le mec venait de nous courir dessus, purement et simplement. Donc voilà, en course, en marche et en déplacement accroupi également, toutes les précisions de ces fusils ont été nerfées. C'est plutôt une bonne chose, il y a énormément de pros et de gens de la scène qui ont félicité Riot sur cette décision.
Je pense que c'est pas fini du coup. Augmentation de l'efficacité, la convergence du score, ça on en a parlé un petit peu. Eh bien, c'est tout simplement le fait que Riot a mis en place une petite algorithme qui va nous permettre de nous classer et de nous positionner dans des games de placement qui correspondraient à notre niveau beaucoup plus vite qu'elle ne faisait auparavant. Et donc ça veut mathématiquement dire que eh bien, si vous êtes un joueur platine 1, vous allez aller beaucoup plus vite vers le platine 1. Même chose si vous êtes du côté des fers ou des bronzes. Ça va être la même chose également, et ça a été pas mal réclamé, on en avait parlé la semaine dernière, les pros et les très très hauts niveaux qui étaient hard stuck en diamant 2, diamant 3, qui ne pouvaient pas monter immortal du MMR caché, on en avait un petit peu parlé, eh bien vont être débridés à ce niveau-là. Donc plutôt sympa, et tout le monde commence à vraiment se féliciter hein, de ce petit apport-là. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez encore la musique dans le jeu, mais il y a maintenant des petites musiques de map à chaque fois que vous allez lancer une nouvelle map. Pendant la buy phase, en tout cas la première buy phase, donc juste avant le premier round, eh bien vous avez une petite musique d'une trentaine de secondes qui se lance. Un thème assez discret, très pertinent, j'en parlais un petit peu tout à l'heure hein, chez Weeper dans le début d'après-midi. Très très sympa, qui donne une petite voilà, ambiance, une petite immersion en plus, un petit caractère à la map qui est assez sympa, assez savoureux. Et puis énormément énormément de nouveaux bugs qui ont été corrigés, d'anciens bugs également. Et je me permets de réagir. Tiens, j'en profite pour saluer Warcloon et Querzy qui nous rejoignent. Bienvenue messieurs. Je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps. Là, c'est Loki qui en parlait justement en émission. Et qui indiquait eh bien, que Riot a corrigé pas mal de petites choses, notamment le fait que les smokes ne font plus barrière à la détection du drone de Boombot de Raze, ou les flèches de détection de Sova. Il y a pas mal de choses comme ça qui étaient possibles lorsqu'on smokait avec des smokes pleines, j'entends les smokes de Brimstone, les smokes de Jet notamment. C'était des objectifs, et bien voilà, qu'on pouvait masquer directement pour pouvoir passer à côté. La tourelle de Killjoy, il me semble aussi, est dans ce cas-là. Et c'était considéré comme des bugs par Riot. Ils sont partis dans un fixe tout simplement, et ça veut dire que on va être détecté à présent, apparemment même dans les smokes. J'ai pas encore testé ça, ça m'a un petit peu surpris quand il en a parlé. Mais voilà, en tout cas, à tester, et pas mal de petits bugs ici et là du quotidien qui nous embêtent et qui ont été corrigés une fois de plus. Bravo Riot pour votre réactivité. On a même eu le droit à l'équipe de développement, hein, quelques petits insights sur le patch 2.03, le patch suivant qui devra arriver, je pense, d'ici 2 ou 3 semaines. Il nous annonce notamment des récompenses en fonction du plus haut rang. Il réfléchit encore vraiment à la manière de le faire, mais on en avait déjà parlé pendant les fêtes de Noël notamment, où il nous avait annoncé des choses comme ça pour récompenser finalement d'avoir atteint un sommet en termes de rang. Même si c'était que temporaire. Beaucoup de pénalités d'AFK dans le jeu qui vont être mises, on en avait parlé la semaine dernière avec des sanctions de rang qui seraient très très fortes également. En prévision aussi, la possibilité eh bien, de masquer in-game les rangs de chaque personne pour éliminer un petit peu la pression de tel ou tel agent, tel ou tel mate ou tel adversaire est plus fort. Effectivement, ça peut jouer sur le psychologique, ça peut jouer aussi sur la toxicité, notamment si vous êtes à milieu et bas elo comme moi. Donc voilà, plutôt sympa, c'est vraiment un petit truc. Moins de reset de rank aussi entre les actes, hein. Vous savez, à chaque nouvel acte, on a besoin eh bien, de se replacer, de refaire son niveau. Ça peut être un petit peu compliqué des fois, ça peut être un petit peu frustrant. En tout cas, Riot a promis voilà, de réduire un petit peu la marge de manœuvre vis-à-vis de ça. Et puis pour les plus bas elo, je pense qu'on va s'adresser peut-être au gold ou au plat max. La 5 stack qui devrait être un petit peu plus libre, un petit peu plus débridée, moins de restrictions sur le 3 rangs de plus, 3 rangs de moins, qui était un petit peu compliqué, notamment ben, voilà, si on a des collègues... des potes avec qui on veut jouer et qui sont pas forcément du même niveau que vous, on le sait, hein, on les a tous ces games là. Donc voilà, peut-être on aura un petit peu de débridage à ce niveau là. Riot une fois de plus qui
essaye de réfléchir à apporter des petites solutions à ces petits problèmes du quotidien qui peuvent clairement nous améliorer l'expérience du jeu. Et Quasi qui me dit, je ne joue pas demain, c'est pas vrai. Pas de quoi y faire. Ouh, on va en parler, bah on va en parler juste après, justement. Quercy, viens, on prendra une minute pour en parler dans le chat pendant la partie FR, justement. Si tu as quelques explications à nous fournir à ce moment-là, on prendra le temps d'en parler si tu veux bien. Je vais terminer la partie des news. Alors, ça a été finalement un petit peu leak et vous l'avez d'ores et déjà vu, je pense. Eh bien, c'est tout simplement la partie des skins glitch pop, les glitch pop qui reviennent. Je vais nous remettre ça. Voilà, je vais nous remettre ça un petit peu en vidéo. J'ai récupéré un asset vidéo. Effectivement, un peu de tristesse pour Quercy. Et donc les skins glitch pop qui reviennent pour une deuxième séance. Alors, on va retrouver donc des skins qu'on n'avait pas dans le premier bundle, notamment la Vandale qui est tout à fait séduisante. On a un opérateur également, la Fantôme, très belle Fantôme. C'est un bundle qui est dangereux, hein, qui me tente vraiment. On va avoir un classique également, une hachette, une hache de mêlée, un petit peu comme la hache Primal. Qui est tout à fait sympa. Et puis voilà, un petit classique également. Pas mal de variations, je vous les mets un petit peu à l'accélérer. Elles sont d'ores et déjà présentes, hein, dans le jeu. Vous pouvez les voir dans le mode collection lorsque vous allez dans votre collection d'armes, que vous faites défiler les skins que vous n'avez ou que vous n'avez pas. Et bien, ils sont à présent dans le slot des skins que vous n'avez pas encore. Et le pack, il me semble, sera vendu un petit peu moins de 90€. Ça fait un gros pack. Mais une fois de plus, il y a de la recherche sur ces packs-là. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Ça sera à vous d'en décider. Mais en tout cas, voilà, les glitch packs qui reviennent. Moi, je sais pas pour vous, c'est un pack qui m'avait beaucoup plu. Sur lequel j'avais pas investi parce que j'avais déjà mis mes 100€ à l'époque de la bêta. Mais voilà, assez sympa. Elle avait été leak, cette petite collection de glitch pop, il y a quelques jours. Aujourd'hui, elle est d'ores et déjà dans le jeu. Donc voilà, à voir si une collection qui poursuivra ses efforts. Elle était sortie notamment sur ce thème un petit peu numérique, un petit peu... un petit peu nerd, un petit peu Tokyo Heat à l'occasion de la sortie de Killjoy. Donc ça fait déjà un petit moment. Un autre petit truc savoureux, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais en tout cas je vous la donne comme d'habitude. Là c'est sur le site de Riot très exactement. Vous allez pouvoir, il me semble sur un topic de FAQ, vous allez pouvoir aller vous connecter tout simplement à votre compte et aller charger le total de vos dépenses pour l'instant dans le jeu. Donc ça vous fait un total en euros ou en dollars si vous payez en dollars. En tout cas, assez rigolo. Vous avez le détail également avec les dates de soumission des CB par exemple ou des PayPal, etc. Donc assez sympa. Ça nous permet aussi de nous rendre compte un petit peu de l'argent qu'on a mis dans le jeu. Moi quand j'ai vu le montant, je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Même si on joue énormément, énormément au jeu et puis on a envie de personnaliser un petit peu son expérience, des fois ça peut faire un petit peu lourd. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans le chat de faire le test et si vous avez vu combien vous aviez. Je suis assez curieux d'ailleurs si vous avez vu. Je vais un peu dégoûter la vie. Ouais, tu m'étonnes, Quercy. On va poursuivre, hein, on est presque... À la fin des news, alors ça c'est un petit peu en avance, c'est un leak qu'on a trouvé dans le code du jeu tout simplement. On aurait trouvé des traces d'HRTF. Alors HRTF, je connaissais pas le principe tout à l'heure et puis on en a discuté un petit peu avec Weeper justement. Donc il s'agit du Head Related Transfer Function. Typiquement, c'est une fonctionnalité, une fonction, une technologie qui existe dans les jeux vidéo et dans les applications d'ailleurs pas que ludiques. On l'a retrouvée à un moment donné sur CSGO, je crois qu'elle existe toujours. Et c'est une technologie audio en fait qui nous permet un mappage audio qu'on pourrait appeler un peu réaliste pour comprendre un petit peu le phénomène. Hein, si vous ne le connaissez pas,
je vous ai préparé quelques petits assets. Mettons-nous en condition. Vous pouvez le voir hein, donc sur ma gauche, c'est pas l'autre, c'est celle-ci, cette gauche-là. Avec mon Omen, je suis sur le top split, top en B, et je fais face à l'escalier eh bien, du côté City, du côté du shop. Si on a des ennemis qui vont arriver finalement dans la petite ruelle entre le site et le City, je vous ai mis la map en plus gros, les petits ennemis qui sont les points de couleur, et qui vont donc mathématiquement passer, si je reste comme ça figé de gauche à droite, jusqu'à présent, eh bien, je les entends de gauche à droite comme s'il n'y avait pas de mur en fait. Je les entends passer comme ça, et je peux suivre leurs traces de pas sur le sable, d'ailleurs, le cas échéant. C'est tout à fait pratique parce qu'on sait exactement où vont les ennemis. Et ça, c'est pour le son normal. Pour le son, du coup, eh bien, HRTF, ça va être un petit peu plus compliqué. Le son, en fait, je ne vais pas l'entendre sur la gauche directement. L'ennemi, je ne vais pas l'entendre sur la gauche. Je vais l'entendre comme s'il y avait des vrais murs très épais. Et du coup, ça va faire que mon ennemi qui va s'engager bientôt dans l'escalier, là, eh bien, je ne vais pas entendre le son, on va dire, à travers le mur à gauche. Je vais entendre le son directement devant moi dans la cage d'escalier. Donc c'est effectivement tout à fait c'est tout à fait immersif, c'est tout à fait bien pour un jeu VR par exemple, pour un autre type de jeu, pour un FPS tactique, en l'occurrence Valorant, ça peut, je pense, être un, ça peut peut-être être un petit échec, en tout cas c'est pas forcément dans la bonne direction. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas l'option a été découverte dans le code. Donc voilà pour le son HRTF. J'espère que j'espère que ça a été assez clair pour vous. Mais typiquement, voilà, je le comprends un petit peu comme ça. Le son normal aujourd'hui dans Valorant nous permet d'entendre les ennemis à travers les murs, peu importe leur épaisseur, et de les suivre très très précisément à travers les murs. Le son HRTF, eh bien, va nous contraindre à entendre les bruits de pas en réverbération sur les surfaces, comme si on était dans la réalité. Et il me semble que c'est la dernière petite news, pas vraiment une news d'ailleurs, mais un petit retour en arrière pour se souvenir un petit peu de ce qu'était Valorant au début. Et je vous ai retrouvé les rangs. Alors là, on était au stade de l'alpha, me semble-t-il, alpha ou bêta. Alpha, hein, d'ailleurs. Avec tous les rangs qui étaient disponibles, je vais vous les lire. On est plus sur des fer, bronze, silver, etc. On était sur mercenaires, soldats, vétérans, héros. Donc là, on est au niveau du gold, legend, qui était la platine, mythique pour les diamants, et enfin immortal, qui était là. Le grade le plus important s'appelait le grade Valorant. On n'avait pas de radiant. Et Riot a renommé ce grade il y a assez peu de temps finalement. Enfin voilà, petit clin d'œil sur ces rangs là, assez rigolo. Et Quarzy et Mister Dwight qui reviennent justement sur le HRTF, je ne sais plus. Le son était déjà éclaté, je sens que ça va être encore pire. Mais je pense que c'est une option qui va être activable ou désactivable comme sur CS. Je pense que de toute façon Riot va pas forcément refaire les erreurs que Valve avait pu faire dans le passé. On verra un petit peu. Je suis pas trop inquiet. En général, ils se sont rarement loupés jusqu'à présent. Faire des grosses boulettes comme ça, là on est sur quelque chose d'assez sérieux. Le son dans un FPS tactique, ça reste tout à fait important, impressionnant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Panda. Merci Panda pour le petit raid, bienvenue à tes viewers. Bienvenue à tous, je pense que c'est la fin d'ailleurs de cette partie news brute du jeu, c'était assez rapide. On va passer à la partie justement scène internationale où on a, eh bien, vous en doutez, à la veille du Valorant Champion Tour, pas mal d'informations et on est parti pour le jingle. News de la scène internationale. Voilà le temps de reprendre une petite gorgée d'eau et on est donc parti
pour les news de la scène inter. Pas mal de petites choses à dire du côté de l'international. On va y aller directement avec la Team Alliance, qui était une grosse et qui est toujours d'ailleurs une grosse structure. On en avait beaucoup parlé. On avait fait un petit peu miroiter le roster de chez Alliance. Et bien, c'est maintenant officiel. On avait notamment Firoth, hein, l'ancien NIP, notre français, qui était dans le roster. C'est officiel à présent. Il va être rejoint par Lucker, d'ailleurs, l'Allemand qui était chez NIP avec lui. On va retrouver deux autres joueurs, deux Lituaniens, décidément beaucoup de talent. Fanbase également. Il sera donc secondé par Bankold DH Dreads. On va retrouver également Coldamenta des Movie Stars, donc les Movie Stars Riders, les Espagnols, je l'avais sur le bout de la langue. Un ancien anthropique, c'est Starkso, très solide également, qui va les rejoindre. Et puis pour finir, un deuxième Movie Star, c'est Kyles, qui vient compléter ce roster qui est tout à fait atypique. On n'a pas une seule nationalité pareille dans le roster. On dirait une vraie boîte de crayons de couleur. On va voir un petit peu ce que ça a donné. J'avais demandé à Brahms, il me semble c'était hier ou avant-hier, s'il avait des infos sur ce roster. Il m'avait dit c'est correct, mais c'était pas ouf ouf. Il les avait pas trouvé forcément super ouf. Donc on va voir un petit peu s'il avait raison ou pas. Deuxième petite news plus rapide. Côté US, chez Rise, on va aller chercher un E-United, c'est Showtime, un leader in-game d'ailleurs, me semble-t-il, pour compléter le roster. C'est assez surprenant puisque les E-United, eh bien, avaient annoncé leur création il y a quelques semaines, je vous en avais parlé.
Rise, qui est une équipe tout à fait correcte du côté NA, ils ont réussi à se classer dans les... on va dire dans les, ouais, entre le 17e et le 32e rang côté Valorant Champions Tour pour l'instant. Donc du potentiel, et il faut encore grinder un petit peu pour aller rejoindre le top. On va se retrouver par contre toujours côté NA avec les Evil Geniuses. La semaine dernière, je vous en avais parlé, ils étaient prêts à annoncer leur roster. La particularité finalement de leur roster, et je pense qu'il va être très très suivi, c'est que c'est un roster mixte. C'est le tout premier d'ailleurs. Donc on va retrouver deux Moon Raccoons, Alexander et Temperature, qui donc viennent de cette ancienne équipe américaine. On retrouvera donc Christine Chi, dit Potter, qui est sur la droite, quatrième en partant de la gauche. Ozia qui vient des Mamba Mode, et enfin Claudia qui est sur le centre de la photo. Donc voilà, roster mix, ça fait plutôt plaisir. Je pense que ça va aussi pas mal ouvrir la voie aux autres organisations, et puis continuer de faire un petit peu changer les mœurs, changer les habitudes de ce côté-ci. En tout cas, à niveau professionnel, ça fait beaucoup de plaisir, et il y a énormément de gens qui ont suivi justement la révélation de ce roster mixte. Donc plutôt sympa. Tac. Ouais, effectivement, on va en parler juste après pour Summon. On se doutait, on avait des doutes, des très très gros doutes. Toujours NA, Genji qui récupère. MCE, un coach qui nous vient des Chaos Esports Club, un coach qui vient de CS. Rien de particulier, un très très bon coach, mais Genji qui n'est toujours pas encore au top de sa forme, qui va avoir besoin d'un petit peu de boost pour essayer de remporter bien quelques majors. Une petite news sympatoche également. Je crois que j'ai une petite vidéo là-dessus. C'est Flights, le joueur de Raze qui vole, qui vient de rejoindre T1. Alors rien que pour le plaisir, je vais vous mettre la vidéo parce qu'elle m'a vraiment saucé. On va se la mettre d'ailleurs en full screen. Tac. Allez, on est parti pour la petite vidéo. Et on se retrouve tout de suite dans une petite minute, je crois. Feel like I could spend my
Voilà, très très sympa là. Hop, il faut que je reprenne la bonne scène. Voilà, très très sympa cette vidéo de Flight, notamment pour la musique que j'ai adorée, que j'ai directement rajoutée dans mon petit tableau. J'espère que je me ferai pas strike le podcast d'ailleurs pour ça. En tout cas, voilà, très sympa. Flight, bah, que vous connaissez sans doute forcément, c'est le célèbre joueur qui joue avec ses doubles satchels de raise qui peut prendre une vélocité, voilà, de la vitesse folle, donc qui rejoint T1. On est quand même sur une belle petite boîte en tant que content manager et content créateur. Tout autour de Valorant, eh bien, du coup, va lui être confié une très belle position. C'est bien joué de sa part, mais je voulais vraiment vous mettre la vidéo, elle m'a vraiment saucé. Alors voilà le petit asset que j'avais préparé, eh bien, il y a quelques heures, est déjà outdated. On va aller regarder ça, et vous avez raison, effectivement, on a même une petite frag movie. Je ne sais pas si on va pouvoir se l'écouter. On va aller voir ça, voilà, tranquillement. Ensemble, Fnatic, donc, qui révèle son roster. Voilà, on est reparti en full screen. Et voilà. Donc, qui récupère les Summon FC. Je vais remettre la vidéo au début. Come on, let's go! Come on, let's go! Les Summon, donc, très très solide roster européen. On rappelle qu'ils n'étaient toujours pas dans une structure, ils étaient vraiment un mix de potes entre guillemets. Donc Mo Mystique, tac. Le fixe BP de ça qui est monumental. Roster qui est donc le capitaine. Plutôt smoker, plutôt initiateur. On devrait retrouver Doma normalement à la fin, qui est le anti-fragger. Mot super super précis. Et le voici Doma. Le joueur croate très costaud. Je me suis vraiment régalé à les commencer en Donc voilà, c'est officiel, Summon FC qui est récupéré par Fnatic. Très belle institution de l'e-sport, très très belle institution de l'e-sport. C'est vraiment une super bonne nouvelle. Effectivement, vous aviez raison, Dwight et Querzy, on n'avait pas vraiment d'autres rosters en tête qui pouvaient mériter d'être récupérés par les Fnatic. Justement, il y avait assez peu de gens qui pouvaient mériter cette place là. Les Summon FC qui sont toujours considérés comme top 10, voire top 5 d'ailleurs, Europe, jusqu'à présent. Et comme je vous le disais, ils sont vraiment entre potes, ils s'organisent eux-mêmes, il n'y a pas de coach me semble-t-il, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de salaire. Donc tout ça c'était pour la beauté du geste, en tout cas ils sont très très bien débrouillés jusqu'à présent. Attention aux Fnatic du coup, Summon FC Fnatic. Faites bien attention à eux dans le futur, on va voir ça. C'est un bon coup effectivement de récupérer une line-up pour rien du tout, tout à fait. Tout à fait, en plus ils ont d'ores et déjà, tu as raison Diogranola, ils ont d'ores et déjà l'assurance que le roster fonctionne ensemble. Ils savent se parler, ils savent jouer ensemble, ils ont énormément de strats, énormément de prac également à leur actif. Donc un roster qui est prêt à l'action tout de suite. Les VCT qui arrivent, on a une occasion d'aller choisir, d'aller saisir. On a en plus une équipe qui n'est pas ridicule, qui est reconnue, on va reparler bien quelques minutes juste après, qui est reconnue comme l'une des meilleures et l'une des plus méritantes. Je vous le rappelle, finaliste au First Strike Europe, qu'on est bien. Donc voilà, en vrai, carton plein pour Fnatic. Je m'attendais à l'annonce, mais un petit peu plus tard dans la semaine.
quand j'ai commencé à rédiger les news, et puis j'ai vu que ce serait annoncé le 3, donc le 3 février, et c'est aujourd'hui. Donc GG aux Fnatics. Toujours en Europe, du coup, on revient. Alors, du côté de l'Allemagne, c'est les Big. D'anciens joueurs, une bonne team européenne. Là, on est plutôt sur du mid. Hein. On les a toujours vus un petit peu dans le milieu, dans le ventre mou de toutes ces équipes performantes qui ne sont pas encore pro, mais qui ne sont pas du tout ridicules. Les Big qui vont aller chercher Obnox, du coup, un nouveau joueur pour compléter le roster. Juste avant le VCT, c'est tout à fait cohérent. Une petite news là, on n'est pas sûr du jeu, mais c'est à noter, ça peut être un problème dans le futur. Je pense que c'est aussi pour ça que Cloud9 avait anticipé. Il s'agit des Wagers, donc, qui avaient une équipe standard en Espagne et une équipe argentine, donc les Wagers Argentina. Eh bien, dans le règlement de Riot, au niveau de la compétition, eh bien, une équipe ne peut pas posséder deux teams, en tout cas deux teams, on va dire, masculines. On a le droit à avoir un roster féminin, un roster masculin. Et dans ce cas précis, ben, les Wigers, qu'ils soient en Argentine ou en Espagne, étaient tous les deux des rosters masculins. Et donc, les Argentins ont été remerciés. Ils ont été officiellement tous benched et hors de contrat. Et seul le roster espagnol va perdurer. Donc, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres équipes comme ça qui sont dans le même cas de figure. Cloud9 l'était, mais ils ont clôturé leur participation en Corée, notamment pour se concentrer uniquement sur leur roster aux États-Unis en NA. Donc à voir. Petit retour rapide sur les gros tournois de la semaine passée. On avait les Valorant Rising Series avec les LVP. Le main event donc, qui s'est déroulé bien, principalement en Espagne, mais c'était surtout européen, l'un des très beaux tournois à suivre. C'est finalement les Forze, très bonne équipe russe, qui se sont imposés. Les Forze, vainqueurs du First Strike du côté CIS, et qui vont être, je pense aussi, un adversaire de choix pour les équipes européennes dans la partie Valorant Champions Tour, lorsque les régions vont se regrouper. Attention aux Forze également, on a de bons joueurs ici. Et puis un petit retour sur le...
strat. C'est aussi pour ça que FPX et Heretix ont refusé l'invitation au tournoi, c'est qu'ils voulaient garder un petit peu de, voilà, un petit peu de gaz sous la pédale pour le Major qui s'annonce. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer, mais voilà, petit. Luminosity Unbox et enfin X7. Pas de grosse surprise mis à part eh bien, l'absence tout simplement des 100 Thieves qui étaient vainqueurs du First Strike, qui se sont fait directement éliminer par les Carpe Noctem, me semble-t-il. Je crois que c'est ça le nom de l'équipe qui ne sont pas allés jusqu'au top 8. Petite mention bien au X7 aussi qui avait remporté eh bien, le dernier NSG, le tournoi sur invitation. Qui avait remporté d'ailleurs ce tournoi, clairement, qui avait créé la surprise. Ils sont là, ils sont dans le top 8, à voir un petit peu comment ça va se passer. Pour l'instant, la scène nord-américaine qui est garnie eh bien, de tous ses favoris, mis à part les 100 Thieves, je vous en parlais il y a quelques secondes. Voilà, et on a le seeding, on a le bracket. À présent, le close qualifier donc, qui va commencer eh bien, à partir de demain. À partir de ces 8 là, donc l'Immortals X7, Energy, Genji Envy, Unbox et finalement les Satellites qui affronteront les Luminosity Gaming. Côté de la Corée, on a également les non-connus. Je vais en prendre que quelques-uns, ce sera les Damwon qui se sont inscrits il y a assez peu de temps sur Valorant, ça fait plaisir de les voir directement. Berklo également, on en avait parlé. ZF Gaming et puis les indétrônables Vision Strikers. Tenant du titre, de tous les titres d'ailleurs en Corée. En tout cas voilà, ça fait plaisir de voir ces rosters là dont je vous avais parlé au fur et à mesure des semaines.
Je vous rappelle, la Corée, région un petit peu chouchoute de Riot en ce moment, où on fait pas mal d'investissements, pas mal de facilités. Et ça a l'air de commencer à marcher, en tout cas, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de Damwon. Du côté du Brésil, une autre scène en croissance. On va retrouver quelques habitués, notamment les Imperial, Furia et les Vikings. Les autres, on les connaît un petit peu moins, notamment les Galaxy Carrots qui me font beaucoup rigoler, mais qui pourraient peut-être créer un peu la surprise. On verra ça dans quelques jours. Et c'est tout. Et c'est tout pour les news inter. On va passer à la partie news FR, messieurs, dames, qu'on a un invité juste après qui ne pourra nous dédier que peu de temps. Alors c'est parti pour la scène française. Scène française. On va parler un petit peu de nos équipes à nous. Vous avez le bandeau juste en haut, vous savez ce que ça veut dire. Si vous avez des petites communications à faire sur votre équipe française, votre équipe fétiche, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous êtes plusieurs équipes à avoir communiqué avec moi pour aller récupérer des infos, des petites choses en avance. On va commencer par le commencement. Nos majors, et ça fait plaisir, seront castés en français, seront castés par des pros. Vous les connaissez, c'est la team 1PV qui a récupéré les droits. Ça a été officialisé en fin de dimanche dernier. Donc PM et sa bande qui va pouvoir nous régaler de ce cast. J'avais fait un petit essai chez eux. Je ne sais pas si je serai retenu pour la suite. On verra. Je croise les doigts pour moi. En tout cas, voilà les amis de 1PV et qui nous ont proposé d'ailleurs. Cet après-midi, un petit peu plus tôt, une émission à la façon warm-up avec, finalement, c'est carrément une émission concurrente à Valo Hebdo. Très bien faite également. Aujourd'hui, on avait Loki en invité et on a balayé un peu le mercato. On est revenu sur le Red Bull Home Ground également dans le détail. Un petit peu de ceci, un peu de cela. J'ai pas besoin de leur souhaiter bonne chance parce qu'ils sont largement plus gros que moi et ils n'en ont pas besoin. Concernant nos pépites françaises, ce sont les FCG, le football club de Grenoble. Rugby qui vient récupérer un nouveau roster avec Gaz, Liko, Yud, Yutsu et Lex. On les avait vus depuis pas mal de temps sur les tournois FR et les tournois européens. Et ça fait plaisir de pouvoir les découvrir. Le line-up est officiel. Ils se sont inscrits sur le VCT. Donc on va leur souhaiter beaucoup de chance. Bonne chance à vous les gars. Et on espère vous retrouver au top. Du côté FR toujours. Ce sont les Sign Us. Donc les ex-Rogue eSport. Qui vont tout simplement officialiser leur... coach analyste qui est NGY, alors je ne sais pas si on dit NGY ou pas, et toujours notre Alshoba national en tant que manager général, donc pour récupérer un petit peu toute l'organisation de l'équipe. On en parle parce que personne n'en parle, et voilà, c'est nos petits chouchous. Donc voilà, les Sinos qui continuent de s'organiser et qui vont participer également OVCT. Côté Humanity Esports, on n'a pas une, mais deux équipes qui vont pouvoir participer. Donc les esports, ici, vous les avez sous vos yeux, Zobovic, Ayu, Chagror, Grise et Cap. Il me semble que j'ai vu Chagror, d'ailleurs, pas très très longtemps dans le chat. On lui fait un petit coucou. Donc voilà, à partir de demain, ils vont concourir et ils vont être... alors, j'espère pas, mais ils pourraient être en concurrence avec... le deuxième projet, Humanity Project, avec Xim Grano. On va avoir Mami Nova aussi, que j'ai vu passer, il me semble, il n'y a pas trop très longtemps. Dani et Magic Im Kavix en contrôleur. Donc voilà, une deuxième équipe plutôt sympa. Plutôt sympa de la part des Humanity. Je vous annoncerai d'ailleurs
on va pas en reparler, enfin on va pas en parler justement, mais j'ai une petite annonce pour la semaine prochaine concernant les Humanity. On va voir un petit peu ça. Et du coup, eh bien, dites-nous. Bah oui, projet numéro 1. Dites-nous un petit peu, Granola et Querzy, vos impressions justement. Querzy qui a pas pu se qualifier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, mon ami, par rapport à l'inscription donc sur le qualifier? On a un site qui s'appelle vtc.gg, je crois, et sur lequel eh bien, les équipes étaient invitées à aller se connecter, s'enregistrer dans le cadre de cette partie européenne. Donc je le rappelle, 46 équipes françaises sur les 315, j'en ai vu, il y en avait pas mal aussi qui n'avaient pas pu s'inscrire. Je vous les ai tous remis, alors c'est vraiment en tout petit, je vais essayer de vous les lire rapidement, au moins à l'oral pour ceux qui nous écoutent sur le podcast. En tout cas, voilà, toutes ces équipes-là qui ont pu... Où est-ce que c'est? C'est par là. Oui, c'est par ici. Donc voilà, j'ai pris le temps d'aller chercher toutes les équipes. UB Team, Choke Dart, Hydrated, Diffuse Team, Take a Nap, Oserve, ATH, Edelweiss, Canity, NPU, On the Run. Donc les FCG, dont on a parlé tout de suite, Hollow, les Yendez, Chameau Maléfique, Team Smoker, Bande Organisée, Knights of Blood, Origins Blue, Bad Turtle, English je pense, The Box, Helios, les Low Bob, Humanity Project, Running HS, Bucky Go Kill, la team Caillou, Wallpick, Turret, les Braqueurs, Gromix, Circus, Bad Turtles, Esport, Humanity Esport, les Mega Kish, les Alcyon, les Panquets, Academius bien entendu, l'Institut, dans lequel on va retrouver eh bien, Loki et Weeper notamment, et enfin les Vanity et les 1801. Je me suis fait chier à tous les chercher, en tout cas voilà, ça fait plaisir de voir autant d'équipes tenter l'aventure, et ils ont tous, et c'est ce qui est bien dans ce nouveau format ouvert, ils ont tous eh bien, leur chance d'aller chercher ça. Et Grenoble qui nous dit, un peu pris par le temps, car ça était avancé du jour au lendemain. Effectivement, ça devait se faire le 11 ou le 12 février. On a pris une semaine dans la vue. Je crois que c'était le 11 à la base. Et effectivement, ouais, Riot qui a avancé ses plans. On ne sait pas exactement pourquoi. J'imagine que c'est pour s'aligner un petit peu avec le reste. Et on croise les doigts pour avoir un bracket favorable. Et bien, on va croiser vraiment les doigts pour vous. D'ailleurs, pour toutes les équipes françaises, on espérera que ben, vous allez tous pouvoir monter aussi haut que possible. Que vous n'allez pas tomber directement les uns contre les autres, ça serait bien. Et je vois Humanity Sport effectivement dans le chat, de bien belles équipes, tout à fait. Tout à fait, on a de très belles équipes, de très belles pépites françaises qui se sont inscrites. Il y en a quelques-unes bah, qui n'ont pas pu. Je ne sais pas si Querzy est encore là, mais il était tout à fait déçu un petit peu de cette situation-là. Après, il s'agit que du tout premier challenger. On va en avoir deux autres occasions de se qualifier pour monter dans les Masters numéro 1. Donc, on va souhaiter tout simplement de la chance à nos équipes françaises. Je vais essayer de les suivre au plus près à chaque semaine, à chaque Valo Hebdo. Et puis, je vous tiendrai au courant bien, de leur progression dans ces brackets. Petit point de prononciation, je me suis rendu compte de ça, j'avais pas du tout percuté, mais ça, je pense que ça va faire du sens pour vous. Je regardais ça, il me semble, sur Twitter, une interview de Eccles, je crois, donc de Liquid. Bonne chance, effectivement, à toutes les équipes françaises. Et l'interview de Eccles en anglais, on parlait un petit peu des snipers, etc. Et eh bien, il a prononcé le mot « hope ». Puisque nous, en français, on dit AWAP, le AWP, on prononce AWAP, mais il s'agit en fait de la prononciation HOPE en anglais, et j'ai compris immédiatement que eh ben, Riot avait appelé le sniper Operator, parce que HOPE, Operator, pour que ce soit beaucoup plus simple. La news qui ne sert à rien, mais je vous le donne, prononciation à l'anglaise, prononciation à la française, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont appelé... le gros sniper, l'opérateur, voilà, Hope.
Bref, c'était cadeau. C'était cadeau. Petit retour sur la grosse équipe qui est sous le feu des projecteurs, en tout cas, qu'il sera bientôt, c'est Vitality. Le roster est connu depuis plusieurs semaines déjà, si vous regardez Valo Hebdo, je crois que ça fait un mois à peu près qu'on a tous les joueurs. Je suis allé, j'ai dû aller chercher assez loin cette slide. Et le roster qui n'est toujours pas officiellement annoncé, qui devrait l'être demain, si mes informations sont bonnes, une information de 1PV d'ailleurs. Donc voilà, à partir de jeudi, on aura la confirmation officielle que Brahms, Machina, FakeU, Vak et Sander, accompagnés de Fragon, leur coach, seront donc les futurs Vitality. Pour l'information, ils se sont inscrits en tant que Team Vitality Europe, avec exactement ce roster-là, dans le site que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc il n'y a vraiment aucune... Il n'y aura vraiment aucune hype découverte, entre guillemets, d'avoir le reveal, mis à part une très très belle frag movie et puis bien entendu du support des fans. Voilà, pas de grosse surprise par rapport à ça. Ils sont en train de dévoiler la team Fnatic en live. Je sais pas si t'as vu. Eh bien, j'ai vu tout à l'heure SMG, on a vu le tweet. On a vu le tweet, par contre je ne savais pas qu'ils étaient en train de... Ils étaient en train de live pour reveal le roster. Après, les joueurs, on les connaît très très bien aujourd'hui. Pas de soucis par rapport à ça. Allez, terminons ces petites news à la française. Une bonne annonce, une annonce heureuse. C'est un tournoi qui va s'approcher. C'est pour ce week-end d'ailleurs, le 6 et le 7. C'est bien ça. C'est bien, c'est ce week-end. Il s'agit de la Stash Cup. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que notre invité va se faire un plaisir de le faire, et beaucoup mieux que moi en tout cas. On va l'accueillir dans quelques instants sous le regard inquisiteur de Bramstone. Alors je ne sais pas s'il est dans le quartier, je vais l'appeler à me rejoindre. Est-ce qu'il est là? Effectivement, ouais, parfait. En plus, il m'avait tweeté le petit Fnatic, c'est vraiment... un BG. Allez, on va passer à la partie du coup de l'invité. Eh bien, on va accueillir cet invité mystère. Pas tellement mystère. C'est parti pour le... Webcam fonctionne, le fond vert fonctionne, le panneau tout en bas fonctionne, tout fonctionne, alors que 10 minutes avant le live, c'était pas gagné. Mr. Dwight est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon cher Mr. Dwight? Alors déjà, attends, on va se battre avec le fond vert parce que je vois qu'il y a un trou dedans, normalement. Ah, un classique, mon capitaine. Là, c'est très bien. Bonsoir à tous, bonsoir. Comment vas-tu, mon cher? Bah, écoute. Ça va plutôt bien. Ça va. Donc, plutôt bien. Parfait. Ouais, en ce moment, c'est marrant, je suis pas la scène Valorant. Ouais. Je suis la scène League of Legends, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc effectivement, on est sur le même éditeur, Bah, j'ai suivi un peu la finale Liquid G2, c'était un peu insane comme finale. J'avoue. C'était tendu, comme Natasha. Un ace de scrim, exactement, avec en jet. Or que je l'avais jamais vu jouer dessus. Honnêtement, chapeau. Ouais, il est en train de progressivement passer sur une jet. Ouais, alors bah, c'est pas plus mal. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est de l'aréna. Exactement. Écoute, mon cher, est-ce que je peux t'appeler Dwight d'ailleurs plutôt que... Oui, oui, il y a aucun problème. Parfait. Et ben écoute, je te renouvelle mes remerciements finalement de ta disponibilité de venir nous faire un petit coucou. On va avant que tu te représentes, on va faire le petit combini quiz, la petite questionnette rapide que j'aime bien faire, qui ne sert à rien mais j'aime bien. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien faire qui ne servent à rien dans cette émission. Mais vous me connaissez maintenant. De toute façon, si vous êtes là, c'est plus par hasard. Hein. C'est plus par hasard, forcément. Es-tu prêt? Je suis prêt. Parfait. Tu réponds sans réfléchir. Let's go. Fantôme ou Vandal? Vandal. Yuru ou Phoenix? Aucun des deux. T'es obligé de répondre. Yuru.
Guild ou Giants? Ouais, ben du coup, si tu suis un peu moins la scène. Si, si, Guild. Tiens, bon choix. Valorant ou CSGO? Valorant, 100%. 16-9e ou 4-tiers, mais bon, je pense que j'ai la réponse. 16-9e. Parfait. Deathmatch ou Spycrush? Je dirais Deathmatch parce que j'aime bien jouer avec les viewers. Ok. Et enfin, Ascent ou Bind? Bind. C'est un bon choix, c'est un bon choix. Quel est ton mate aujourd'hui? Je crois que je connais la réponse, mais c'était pour être... C'est Brimstone. Il faut savoir, avant, je jouais beaucoup Cypher et Sage. Ouais. Mais Sage a eu un énorme nerf dans le sens l'orbe, le taux de dispersion de l'orbe est beaucoup moindre. Ouais. Le wall, certes, la nouvelle méta, on commence à avoir beaucoup de Sage parce que le wall, tu le mets et instinctivement, tu sais quand il est détruit directement parce que on s'engouffre dedans, donc on va dire que c'est un goulot d'étranglement. Cypher, au début, ce que j'aimais bien, c'est quand tu mourais, les trappes pouvaient fonctionner, là, elles fonctionnent plus. Donc tu dois jouer en plus en retrait, alors qu'avant, tu jouais déjà en retrait avec Cypher. Et Brimstone, avec le nerf qu'ils ont eu, avec le up qu'il a eu, c'est vraiment pas mal parce que la balise, t'as plus un cooldown, genre tu la prends en main, tu la lances. C'est vrai. Là, il la lance directement. Les smokes durent 19 secondes et une brouette. Les molotov, toujours aussi insane. J'en ai appris pas mal, entre autres, sur Heaven et sur Bind. Quand tu vois les molos d'où elles partent et tout, ouais, ils tombent. Clairement. Okay. Limite, tu peux faire ton petit sauva, j'ai envie de le dire. Donc, Brimstone, j'aime bien. J'ai testé Yoru, c'est pas du tout mon style de jeu. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien comment il est. Ouais. Mais c'est pas du tout mon style de jeu. Vraiment pas. Effectivement. Ouais. Pour la partie Brimstone, je te rejoins parce que j'ai longtemps été main Brim, du coup. Mm-hmm. Un agent assez incompris à un moment où Omen était un petit peu sous les projecteurs. Mais très clairement, les smokes qui restent petites, mais 19 secondes 45. La balise stimulante aussi que j'utilise beaucoup, je sais pas pour toi, mais un agent sous-côté un petit peu. En fait, la balise stimulante, c'est que. Alors, c'est peut-être une impression que j'ai, elle est moins lourde. Dans le sens que quand tu la lances, pour moi, j'ai l'impression qu'elle va plus loin. C'est peut-être une mauvaise impression, mais ouais. Brimstone est un agent. C'était en fait le problème de Brimstone et d'Omen. Si on compte, allez, Jett, mais Jett pour moi, c'est pas un smoker, c'est plus un dueliste. Ouais. Le problème, c'est que quand t'avais un Omen, je parle avant le patch, quand t'avais un Omen, généralement, tu prenais pas un Brimstone. Parce que les smokes étaient, on va dire, aussi longs qu'un Omen et un Brimstone, donc ça servait à rien d'avoir deux smokers. Maintenant, Omen, on l'utilise pas vraiment sur ce système-là, donc. C'est une bonne alternative. Tout à fait. Écoute, sois le bienvenu en tout cas dans Valo Hebdo. On va parler un petit peu de... On va surtout parler de toi. Et on va parler un petit peu de tes projets principalement. Je vais te proposer dans un premier temps de nous parler un petit peu de ton parcours, ta rencontre avec les jeux vidéo, ta rencontre avec l'e-sport, pourquoi pas, et puis un petit peu tout ce qui est... tout ce qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui le Mr. Dwight qu'on connaît. J'ai réussi à trouver facilement le petit trailer que tu as sur Twitch. Je vais le diffuser en même temps, comme ça pourra illustrer. Mais écoute, je t'écoute, mon cher Dwight. En fait, j'ai commencé, je pense, les jeux vidéo sur. Tortue Ninja sur Super NES. Ah oui, on est à l'ancienne. Du vieux de la vieille. On est très très clairement à l'ancienne. J'ai vraiment découvert les jeux PC, les jeux PC sur Age of Empires 2. Ouais. Je l'ai saigné à l'époque. Age of Empires 2, j'en ai passé des heures, comme Age of Empires 3. Donc voilà, après j'ai vraiment switch sur... les jeux vidéo, j'ai fait tout Assassin's Creed, c'est vraiment le jeu de cœur, genre vraiment par excellence. Sauf les derniers que j'ai vraiment détestés, mais sinon je les ai tous faits, en long et en large. Et puis après, je t'avoue que j'ai vraiment switché de jeu, j'ai joué à des jeux que j'ai saignés, puis Pillar of Eternity pour ceux qui connaissent. Beaucoup de Total War, mais quand je dis beaucoup, c'est genre le premier Total War Rome, je pense que j'ai plus de 2000 ou 3000 heures d'heures de jeu dessus. Donc pour te dire que les jeux stratégie, c'est vraiment mon dada. Ok. Et après, j'ai découvert CSGO. Et ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu l'aspect, on va dire, 5v5, où tu as l'aspect stratégique, etc.
Vraiment, j'étais énormément salé. Genre, je pense que le sel de Guérante à côté, c'est même pas 1% de mon sel, tu vois. Genre, Sardoche à côté, c'était... Donc, j'étais quelqu'un de très, très salé. Et sponsorisé par la mairie de Guérande, directement. Ouais, ouais, exactement. Non, plus sérieusement, j'étais vraiment beaucoup, 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 beaucoup salé. Et j'avais cette réputation de rageux, etc., qui commence à disparaître tout doucement sur Valorant. Bon, tu vas me dire, on est des êtres humains et maintenant, j'arrive à rager de façon humoristique. Donc, c'est plus drôle, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que CS m'a beaucoup apporté, mais aussi m'a beaucoup, retiré. Parce beaucoup, que, beaucoup pris, ouais. Bah, en fait, CSGO, quand tu regardes comparé à Valorant, c'est CSGO, c'est du 5v5, mais c'est uniquement du tryhard. C'est genre, quand tu es sur le MM, on va dire sur le jeu, bah, l'objectif, c'est d'être Global Elite. Donc, tu tryhard pour être Global Elite, ce qui est logique. Mmh. Pareil sur Faceit. Tandis que sur Valorant, ce qui est bien, c'est que tu peux jouer en deathmatch. En 5v5, tester de nouveaux personnages, jouer avec ta communauté. Si t'as, on va dire, des fers et que t'as des immos qui veulent jouer ensemble, c'est possible, tu vois. Donc c'est ça que j'apprécie dans Valorant et que j'apprécie plus du tout dans CS parce que c'est uniquement la performance. J'ai plus envie de performer sur un jeu qui m'a pris 6000 heures, 7000 heures de jeu. Donc pour moi, ça sert plus à rien. On est pas mal déjà, ouais. Effectivement. Ouais, mais je pense qu'il y a 2000, 3000 heures de casse dessus. Donc okay. Ça fait beaucoup. Okay. Ouais, effectivement, ça fait pas mal. Pour te donner un ordre d'idée, moi, je dois avoir entre 15 et 20 heures de CS à peu près dans les pattes. Sérieusement? Je te promets, c'est une... Faudrait que je regarde sur Valve. Il y a peut-être un compteur sur Valve qui te dit t'as joué. Oui, tu peux voir, ouais. Et ben, mais je vais essayer de le faire d'ailleurs. Je vais essayer de lancer Valve et je vais essayer de vous dire. Non mais c'est une réalité, c'est de la folie. Je sais même pas si je l'ai encore installé d'ailleurs, Valve. Mais en fait CS ça m'a beaucoup appris. Ouais, Steam, ouais, ouais, c'est sur Steam. Mais voilà, quand tu vois, je sais pas, je prends plus de plaisir sur Valorant que sur CS. J'ai moins une overdose. Genre quand j'ai une overdose, je le reconnais genre sur Valorant, tu vois. Quand j'en ai marre, quand je suis soit fatigué ou quoi, ben je stoppe. Tandis que CSGO, c'était genre la performance, je veux absolument atteindre le level 10, oh, je veux absolument atteindre le Global Elite, et au final, je prenais aucun plaisir. Quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà. Bon, écoute, je crois que j'ai oublié mon mot de passe Steam, du coup. Bon. Attends, je tente le mot de passe standard. Vas-y. Tu connais le mot de passe standard? Putain, ça marche. Est-ce que c'est... Ouais. Alors, sauras-tu me dire où c'est? Tu cliques dans le jeu, ouais. Ouais. Non, tu vas dans le jeu et en fait tu vois Counter-Strike, tu tapes Counter-Strike et tu as l'heure dessus. D'accord. Normalement, oh, à côté de jouer. Ah non, oh, j'ai menti. 47,6 heures. Oh, ça va. Ça va. 47 heures, très bien. Ok, je pensais plus. Après, est-ce que ça compte quand tu restes dans le menu? Parce que des fois, Oui, c'est nickel. Laisse tomber, parce que des fois, c'est j'allume, je vais faire un truc, j'ai oublié, je reviens 3 heures après, si je suis encore dans le menu, j'ai pas touché au jeu. Quoi. Non. Ok, donc un début de carrière, entre guillemets, puis un début dans le jeu vidéo assez atypique. J'aime beaucoup d'ailleurs, parce que je suis moi-même un ancien joueur de RTS, mais vraiment en mode casu. Beaucoup d'Assassin's Creed aussi, les premiers. Je suis vraiment pas du tout au nouveau, mais je me retrouve beaucoup là-dedans. Age of Empires 2, la version Star Wars aussi, Galactic Battleground, que j'avais un peu pensé. Elle est sur le PC là, sur le PC de stream. J'ai relancé le premier Star Wars Battlefront. Ouais. J'ai arrêté au bout de 5 minutes. Ça piquait des yeux. Vraiment, c'était horrible. Genre, je comprenais rien. J'ai fait OK. Genre, j'étais obligé de faire la campagne pour faire une conquête galactique. J'ai fait pardon. Allez hop, désinstallé. C'est bon. C'est ça. C'était le meilleur mode. Mais ouais, non, t'as des jeux comme ça qui sont restés ancrés. Assassin's Creed, les premiers. C'est plus dur. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais genre, là derrière, tu vois, j'ai. La lance de Léonidas, j'ai la lance de Léonidas, j'ai tous les bouquins Assassin's Creed. Genre, nice. Ouais, j'ai tous les CD, sauf les derniers, bien évidemment, vu qu'ils ne font plus en physique, sauf les quand tu achètes les collectors. Ouais. Mais genre, j'ai toutes les boîtes jusqu'au Syndicate. C'est pas vrai. Toutes les boîtes. Mais... Si, j'ai toutes les boîtes. Excellent. J'ai toutes les boîtes, donc c'est quand même assez. Assez impressionnant, quoi. J'avoue. Ouais, mais du coup le petit dernier dans ta game list, c'est Valorant.
Valorant qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est un tout nouveau jeu, mine de rien, moins de 9 mois aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu l'as, du coup, est-ce que tu l'as un petit peu suivi à la bêta? Quel était ton point de vue? Est-ce que tu étais plutôt hypé? Est-ce que tu étais plutôt sur la réserve par rapport à un CS que tu maîtrisais et que tu connaissais déjà? Comment est-ce que tu as vu cette arrivée de Valorant en mars à la bêta? En fait, j'ai aimé le système de dire, bon, c'est un FPS. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes d'FPS, Rainbow Six, par exemple, j'ai cassé du Rainbow Six, ça n'a rien à voir avec Valorant ou CS. Genre, vraiment, c'est beaucoup plus tactique que Valorant. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus tactique parce que, par exemple, quand tu as un mur renforcé, tu dois avoir un Air Breacher qui ça s'appelle. Donc, tu dois avoir un Thermite ou un Ibana pour potentiellement passer, on va dire, sur la zone, tu vois. Donc, c'est un peu plus complexe. Tandis que Valorant, ce que j'aimais bien, c'était l'aspect Overwatch. Ouais. L'aspect Overwatch et l'aspect CSGO. Dans le sens que tu peux, on va dire, adapter ta façon de jouer en fonction du personnage. Je prends l'exemple. Tu verras jamais, bon, sauf si vraiment, désolé du terme, mais c'est une flûte, tu verras jamais un Phoenix, par exemple, rester en retrait. Un dueliste, techniquement, dans le jargon CS, ouais, c'est lui qui va open. C'est lui qui va faire. Ouais, c'est l'open fragger. Tandis que, par exemple, un initiateur, un contrôleur, style, par exemple, Brimstone ou une Viper ou un Sova ou une Sage, qui est un sentinelle, comme Killjoy et Cypher, eux, ils vont rester plus en retrait. Ils vont prendre le bac, ils vont, ouais, essayer de faire du bruit sur l'autre side, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant de dire, ok, ton personnage, ta façon de jouer sur CS peut totalement être adapté, à un personnage. Et c'est ce que j'ai eu à plusieurs reprises. Genre, j'ai vu des joueurs CS qui étaient d'habitude qui étaient genre leader in game, ouais, leader in game qui restait en retrait, qui jouait du Sova, qui jouait du Brimstone du smoker, ou du Omen, ouais. Ouais, ouais, du smoker. Donc c'est assez intéressant. Et franchement, le jeu me plaît de plus en plus, donc c'est super, ouais. Effectivement, tu as raison, pour ceux qui ne connaissent pas bien comme moi CS, il me semble que tu n'as pas vraiment de rôle précis. Chaque personne peut acheter des smokes, des flashs, des molotovs. Je crois qu'il y a, ces différents utilitaires-là. C'est vrai que dans Valorant, chaque personnage, chaque agent a sa personnalité. Tu as raison, son style de jeu, en fait. Et je me suis aussi retrouvé dans ce jeu-là parce que je me suis rendu compte, tiens, en fonction de tel ou tel agent, tiens, je peux plutôt, aujourd'hui, je suis un peu énervé, je peux jouer agressif ou d'autres. Enfin, il y a cette dimension-là, ouais, mais... qui est clairement intéressante. Ouais, en fait. Clairement, ouais, intéressant. Mais ce qu'il faut savoir pour ceux qui viennent de CS, par exemple, je me rappellerai toujours quand j'avais casté, je sais plus quelle équipe et que j'étais en vocal avec eux, tu sais, parce que généralement, t'aimes bien être en vocal avec eux pour les écouter un peu. Ouais. Il dit, ouais, t'as flash? Ouais, flash, boum, lance, hop, c'est parti. Ça prend genre 2 secondes, même pas une seconde. Tandis que quand t'es avec des coéquipiers et tout, la flèche de Phoenix, c'est assez subtil. Genre, tu dois la mettre à gauche, à droite, tu dois soit te sauter pour la faire passer au-dessus du mur. La flash domaine, tu dois faire attention. Enfin, le brouillard de guerre de domaine, tu dois, ouais, faire attention à pas mettre le brouillard sur tes coéquipiers. Reyna, bon, ça va, il n'y a pas ce système-là. Mais rappelle-toi, par exemple, aussi un autre système, les satchels de Raze. Ouais. Tu peux blesser. Au début, tu prenais des dégâts avec. Ouais. Maintenant, tu n'en prends plus. T'en prends plus. Mais t'en prends plus, c'est sûr et certain. Parce que, okay, ce matin, j'ai fait le test. Il y a un de mes joueurs qui a lâché le satchel dans le spawn. Je me suis tué, j'ai sauté, il l'a fait exploser. J'ai sauté de quelques mètres, c'était assez marrant. Donc, okay, donc voilà, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que Valorant, tu ne peux pas jouer tout seul. C'est impossible. Tu ne peux pas. C'est dur. Tu ne peux pas avoir un mec. Genre, par exemple, ce matin, j'ai fait 30 kills sur Ascent. Je ressentais pas que j'étais on fire, je ressentais pas que j'étais, on va dire, au-dessus de mes coéquipiers. On donnait les calls, on avançait. Bon, t'en avais deux qui faisaient 5 et 4 kills, mais ils donnaient les calls et ils mettaient leur spell. Mmh. Et on a gagné. Ouais, c'est plus. Enfin, je suis désolé, sur CS, l'IM, c'est quelque chose de ultra important. Genre, tu vois des joueurs faire 10 000 bots ou qui font du deathmatch avant d'aller chauffer en compétition, etc. Tandis que sur Valorant, les spells sont giga, giga, giga importants. Ouais. C'est vraiment insane. Genre, quand, par exemple, l'ulti de Sky, au moins, tu peux suivre l'ulti et te dire, bon, ok, j'avance et je vais voir où ça nous mène. Pareil pour celui de Killjoy. Tu dis, bon, ok, c'est clear, je vais pouvoir avancer. Je vais pouvoir check, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, je te suis. C'est vraiment assez intéressant, tandis que t'as la base de connaissances. Si tu veux vraiment travailler ton perso, tu dois connaître. Genre Sova, les Arrows, tu dois connaître.
Grimstone, tu dois connaître les molos. Ouais, Killjoy, tu dois connaître les traps. Pareil pour Cypher. Cypher sur Ascent, avant sur B, personne ne passait quand je le jouais. Parce que c'était mon main. Mais quand ils l'ont nerf, tu te dis, bon, je dois jouer reculé, etc. Tu vois. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir comment Valorant met en avant les spells, etc. Je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Bah écoute, ouais, je pense que la méta va se constituer petit à petit, mais très clairement, on a énormément de possibilités. Ouais, effectivement, Querzy qui le reprécise, il y a quand même des rôles sur CS, mais c'est tout aussi explicite, et c'est ce qui fait un petit peu le charme, je pense, notamment pour les nouveaux joueurs, d'avoir des sorts, d'avoir de la couleur, il y a des changements, etc. Chaque personne est unique aussi. Ça correspond peut-être un peu plus à la façon dont on veut jouer aujourd'hui. D'un point de vue graphisme, quand tu regardes, je suis désolé, quand tu vas sur CS, quand tu vas sur Mirage, tu vois les murs, c'est du carton-pâte. C'est même pas un vrai mur. Tu ressens pas la DA, l'aspect relief, etc. Tu le ressens pas. Tandis que sur Valorant, bon, c'est vrai que je prends l'exemple du shérif de Yoru où techniquement tu es censé avoir des picots au niveau de la crosse, t'as rien. Genre, tu vois, il y a juste genre, vous avez des picots, mais genre, s'il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Bon, là, t'es un peu en mode, bon, les gars, arrêtez de foutre de moi, quoi. Genre, mais non, c'est vraiment assez intéressant de voir comment ils ont pas fait un jeu style réaliste comme CS. Ouais. Ils m'ont dit, on va faire un truc à notre univers. Et ça, moi, j'adore l'univers. Franchement, je trouve ça. Et qu'ils prennent des références de LOL aussi, ouais. De LOL, de TFT et tout, c'est vraiment pas mal. Ils mélangent vraiment tous les lores et c'est vraiment top. Franchement, c'est top. Je suis d'accord aussi, ouais. Pour l'instant, bonne recette, bonne tambouille de la part de Riot. Et puis, j'en parle à chaque fois en début d'émission. Il a raison. Je sais pas si t'as vu, il dit que Valorant est beaucoup trop long comparé à CS, mais dites-vous bien qu'un round de. Oui, Valorant, tout se passe dans la longueur, maximum il dure 3 minutes. Et encore. C'est vrai que c'est très long. Un round de CS, c'est 1 minute 45 et encore, t'as pas la phase de prep. Ça, des fois, le round, il se finit en même pas 10 secondes. Donc voilà, c'est une autre façon de jouer que tu dois avoir sur CS, sur Valorant. Ouais, je suis d'accord. Et c'est peut-être là où justement le clivage et puis les gens vont s'y retrouver, soit d'un côté, soit de l'autre, finalement. Il en faut un peu pour tous les goûts. Finalement, Valorant se veut pas être un clone de CS, clairement pas. Ils ont pas. À la base, c'est ce qu'ils avaient dit. Hein. Ils avaient dit on veut enterrer CS. Oui, mais pas en faire un clone. Non, mais bon. Mais oui, tout à fait. Ouais. Et ils s'attaquent. C'est ce que je disais. On le voit toutes les deux semaines. On a des patchs, on a des corrections, on a des bugs. Les gens qui montrent des choses qui marchent, qui marchent pas. Attention, ça c'est pas top. On est bloqué, on a ceci. Riot qui est à l'écoute, qui réagit, des petits bugs, des patchs. Alors des fois ça va pas dans le bon sens et on rebascule de l'autre côté. Mais il y a toujours du mouvement. Ça explique pourquoi ça fait les choses. Et pour l'instant ça reste un bon départ. Ça reste un bon départ. On l'a vu je l'ai dit il y a moins d'une heure. La partie précision sur les déplacements qui est très très exacerbée, qui fait partie vraiment du nectar sur CS qui commence à venir un petit peu sur Valorant, là où on pouvait mettre des têtes en patins à roulettes. Non, moi j'appelais ça Michael Jackson, moi. C'est horrible. Non, mais vraiment, c'est horrible. Moi qui viens de CS, et quand tu vois ça, c'est. Ouais. Je deviens fou en fait. Je suis là en mode, mais comment il peut mettre un. Genre, je te prends l'exemple de la MP7 ou la MP5 SD sur CS. Oui, ça peut t'arriver de mettre des TN, mais genre, tu dois en mettre plusieurs hein, quand tu cours. C'est vraiment, t'as une dispersion assez conséquente. C'est ça. Donc, tandis que là, sur Valorant, c'est quand même assez catastrophique. Quoi. Je vais pas te mentir que là. Pour l'instant, on va voir. Là, ils ont fait le patch, donc je suis curieux de voir. Ouais. Tu l'as testé encore ce patch ou pas encore? Bon, on l'a testé ce matin et j'ai ressenti vraiment une nette différence. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, sans te mentir, j'ai senti vraiment une nette différence. Genre, il y a pour te dire, il y a deux gars qui nous ont couru dessus. Pendant 5 rounds, c'est pareil, ils nous couraient dessus avec Fantôme et tout. On leur mettait des one-tap. Ouais. Ils ont déco au bout de. On perdait, je pense, 10, 11. Ils ont déco. D'accord. Parce que justement, ils étaient habitués à courir et à tirer. Voilà, quoi. Justement, à faire la fameuse stratégie Rejbis ou Kabliet. Hein, toi-même, tu sais, sur CS. Mais voilà quoi. Ça marche.
Bah, il nous reste du coup, il nous reste pas trop de temps. Je crois que tu dois nous quitter assez rapidement. Oh, pas casse. J'ai ton temps, j'ai ton temps. Très bien. Ma question sera la suivante. Du coup, je pense que tu as un petit peu répondu, mais il y a peut-être autre chose. Si tu avais une lampe d'Aladin, mm-hmm. tu la frottes et tu ne peux exécuter qu'un vœu, un seul mm-hmm. vœu sur Valorant. Mm-hmm. Pas le vœu d'avoir 1000 vœux, attention, mais un vœu pour changer le jeu, un personnage, une map, autre chose, le gameplay. Quel serait ce vœu? Ah, ouf, tu poses une question. Je pose des questions. Le vœu que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse pick and ban nos maps. On puisse choisir les maps avant de partir. Ok, le pick and ban. Ok, bah, choisir ta map, quoi, et pas la trouver en roster aléatoire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un de mes souhaits les plus chers. Ouais. Et j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Le système de bot, au début, je pensais que c'était une bonne idée. Genre le gars déco, et tu vois. Et au final, je me rends compte que c'est plus problématique qu'autre chose. Parce que tu vois, même CS, ils ont retiré le bot. Mais t'as ouais. un aspect à côté financier qui est rajouté, comme sur Valorant. Genre, ben là, Valorant, t'as énormément plus. T'as de l'argent en plus. Donc, entre guillemets, c'est pas plus négatif que ça. Mm-hmm. Au début, j'étais là, vraiment, ouais, il faut rajouter un bot et tout. C'est vraiment contraignant et tout. Et au final, pas du tout. C'est vraiment assez propre. Et ouais, vraiment prendre le pick and ban. Parce que je t'avouerais que quand tu retombes 5 fois de suite sur Split et 2 fois de suite sur Ascent, t'as un certain moment, t'en as marre. Je comprends tout à fait votre postulat. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, ça reste l'une des demandes les plus fréquentes, pouvoir ouais. choisir sa map. Je pense que jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on va avoir, mais je me l'explique pour l'instant de la façon suivante. Riot a besoin de statistiques sur ces différentes maps, parce que le jeu est tout nouveau, moins d'un an. Et je pense que quand ils font des petites modifications, qu'elles soient visibles ou invisibles, ils ont besoin de recueillir des stats, ils ont besoin de faire jouer les gens une fois, plusieurs fois sur la map, justement pour essayer de créer des situations, essayer de trouver de la data, justement essayer de voir un petit peu comment se font les modifications. Split, il y a 2 semaines, on en a parlé, venait d'être modifié avec pas mal d'ouvertures, pas mal de choses dans les différents cubis, dans les ouais. ouvertures. Mmh. Beaucoup plus à l'avantage de l'attaque, du coup, et je pense que Riot nous a fait énormément jouer sur Split. Moi, je l'adore, Split, c'est l'une de mes maps préférées, ça m'a pas dérangé, mais je veux bien entendre que pour toi, qu'il l'apprécie peut-être pas forcément, la faire 5 fois de suite. Si, t'aimes bien aussi. Mais Split, vraiment, je l'adore, mais je veux dire, quand t'as une difficulté, c'est quand même assez. Imagine, tu fais 5 games, t'en gagnes, allez, on va dire 1 sur 4, à la fin. Et t'as envie de changer un peu, quoi. Je comprends un petit peu Je vis un peu la même chose, hein, de toute façon, je te rassure. Mais Split, j'aime bien, genre Icebox. En fait, ce qui est bien sur Valorant, c'est que t'as beaucoup de maps. Ouais. Mais chaque map, c'est comme sur CS, tu l'as fait de façon différente. Genre, tu vois ce que je veux dire? T'envisages genre, jamais même map avec. T'as genre, des mates différents, t'as des. Ouais. Genre Icebox, tu fais attention à la verticalité, par exemple, quand ils ouais. vont sur A ou même sur B, tu fais attention au yellow, par exemple, ce genre de choses, tu vois. Ouais. On dit que sur Ascend, bah, tu joues différemment, tu fais attention, bien évidemment, au son, etc. Donc, c'est assez intéressant. Absolument, absolument. On est rejoint par Zeish, le célèbre coach. Je lui fais un petit coucou qui nous dit « Incredible, le décor !» Absolument, on est, pour ceux qui écoutent l'émission au podcast, on est dans la partie invitée, vous le savez, dans le coffee shop de Split, justement. Avec le menu juste au-dessus de moi et une petite tasse fumante juste en dessous de Mr. Dwight. Ok, pour ce petit rêve-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, de tes projets? Alors moi, pour expliquer rapidement, je t'ai découvert, ça fait pas si longtemps que ça, je pense que ça fait un mois ou peut-être quelques jours de plus. Et eh bien, tu es typiquement le premier streamer, souvent Valorant, que je vois le matin. Il y a de la bonne humeur, ça rigole, ça gueule, ça crie, ça met des one-tap, ça s'amuse, ça fait plaisir. Le petit sourire, la moustache, et c'est parti. Et exactement. Et du coup, j'ai longtemps, souvent c'est ce que je fais sur Twitch, je regarde souvent longtemps un streamer, une streameuse en silent, sans m'abonner, sans suivre, sans rien. Pendant mm-hmm. plusieurs semaines, et au bout d'un moment, je rentre en contact, exactement. Voilà, typiquement, c'est ce que j'ai tweeté tout à l'heure, petit rayon de soleil, petite dose de bonne humeur du matin, tu rigoles, et puis voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, tu as d'autres projets en cours, donc tu streams sur Twitch.
Parle-nous un petit peu de ton actualité, puis on terminera par, par la fameuse Cup. Mon actualité... Que peux-tu nous dire sur eh bien, aujourd'hui ce que tu proposes? Si tu devais te présenter, aujourd'hui je vous propose ceci, ceci, cela, mon contenu c'est celui-ci, je fais cela. Ah mais moi c'est très simple, c'est en fait pendant le confinement j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le smile, on va pas se mentir, hein, c'est un peu normal. Clairement, de confinement, clairement, clairement. Donc je me suis dit bon, Valorant c'est le jeu du moment et j'adore ce jeu. Je vais pas tryhard et c'est ce qui m'ennuie un peu, c'est que le trois quarts des gens qui jouent à Valorant pensent uniquement au tryhard et ne pensent pas à s'amuser. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui me gonfle vraiment et je suis désolé, je peux pas passer pour quelqu'un connard. Voilà, littéralement, je vais vous le dire. Mais quand vous jouez à un jeu vidéo, à la base, c'est pour s'amuser. Ça s'appelle un jeu, en fait, à la base. Ouais. Mais en fait, je peux comprendre que certaines personnes veulent apprendre des tips, veulent apprendre. Veulent évoluer dans le jeu. Ça se comprend totalement. Par exemple, quand tu regardes League of Legends, quand tu regardes les Worlds et tout, c'est pareil. Quand tu veux faire ça. Maintenant, je connais beaucoup. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me suit, qui me dit ouais, moi, je veux main Brimstone, je te regarde parce que tu arrives à bien le jouer. Je dis ouais, bah, j'ai rien d'exceptionnel, mais merci, ça fait plaisir. Quoi. Genre Brahms, moi, je le suis beaucoup parce que à un certain moment, il a beaucoup joué Brimstone. Ouais, tout à fait. Ouais. Et j'ai compris comment je devais le jouer, des fois agressif, des fois en mode passif, etc. Mais voilà, moi, l'objectif, c'est jouer avec les viewers le matin. Et la phrase résume bien, c'est votre tranche de bonne humeur quotidien, dans le sens où vous venez, vous n'êtes pas bien. On vous donne le smile, on fait des conneries, on fait des bêtises. Ça, c'est ça. Les petites danses, il y a des... C'est le Put Your Hands Up In The Air, bien évidemment. Donc, on met le son à fond, on réveille les voisins et c'est assez marrant. Non, plus sérieusement, c'est... je me suis rendu compte que sur 16, je tryhardais beaucoup et... Pas que ça, je veux pas dire que ça me rapportait pas d'audience, mais genre, sans plus, quoi. J'avais pas réellement d'objectif. Et puis, je me suis dit, j'ai un don qui est, entre guillemets, de faire rire les gens avec un humour de merde, je précise. L'objectif est quand même atteint. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment, c'était vraiment de faire rire les gens au quotidien et ça fonctionne vraiment bien. Les gens sont plutôt contents, clairement. Donc voilà, que dire de plus? J'ai juste envie, c'est que ça continue. Alors il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a un autre projet en fabrication depuis 4 mois. Ouais, j'attends en fait que ça ouvre et une fois que ça ouvre, il y aura la stream au matin et au soir. Voilà. Ok. Peux-tu nous en dire un peu plus ou ça reste secret? Si l'objectif est... tu vois, là, regarde, vieux réflexe que j'ai streamer, c'est lire le chat. C'est vieux réflexe qu'il ne faut pas avoir. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est qu'il y a, genre, par exemple, David P, ancien joueur. Enfin, est-ce qu'on peut dire ancien joueur de chez G2? Bench chez G2, officiellement. Ouais, voilà, officiellement. Donc lui, je comprends, mais... Enfin, moi, j'ai envie de dire, tu peux tryhard, mais tryhard, genre David P, il a streamé pendant 14h, 15h, il faisait que de perdre. Moi, j'ai un certain moment, stop, quoi, il faut arrêter. Comment tu peux prendre du plaisir si pendant 15h, tu joues et tu fais que perdre? Je comprends pas, en fait. Ouais, le plaisir est où? Ouais, le plaisir, il faut pas oublier qu'il y a du plaisir. Mais moi, j'adore regarder ça, parce que tu te dis... Ok, tu peux comprendre le crosshair placement, comment ils visionnent le jeu, etc. J'apprends beaucoup en regardant Basique, j'apprends quand je vois Scream, les gros streamers Valorant, tu vois. Ouais. Genre Nox, lui, quand il joue sa Jett, une fois j'avais envie de tester Jett, mais il jouait Jett. Je me suis dit, je vais regarder comment il joue Jett, et c'est vrai que c'était assez intéressant. Ça, quand tu vois chez Scream, lui, il joue vraiment agressif, t'en as un autre qui joue plus passif. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que chacun a son personnage et chacun a sa façon de jouer avec son personnage, donc c'est vraiment assez intéressant. Effectivement, ouais. C'est assez intéressant. Je suis agréablement surpris que tu tiennes ce discours effectivement de l'amusement, parce que jusqu'à présent, je pensais être l'un des seuls justement sur Valorant. Tu as raison. Il y a beaucoup de tryhards. Ça reste un jeu compétitif dans son cœur, mais ça reste un jeu aussi. Quand je me suis lancé dans le Valorant, tu vas me dire ce que tu en penses. Mmh. J'ai pris le jeu très très à cœur, vraiment très sérieusement. Cette partie grind, cette partie... En plus, c'était mon premier FPS, donc je n'avais aucune notion. Ah ouais, ok. Et puis la partie rank, etc., avec les levels, avec les... Alors moi, j'étais parti sur les bronzes, sur les silvers, j'étais gold jusqu'au plus haut niveau. Donc on reste sur un niveau de débutant en plus, mais débutant. Et j'étais vraiment très en mode sérieux. J'avais la boule au ventre avant d'aller en ranked parce que j'avais peur de perdre mon rang, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai... Pendant une ou deux games, je sais plus pourquoi, j'ai tilté,
j'ai un petit peu vrillé là-dessus et j'ai laissé mon rang se désagréger comme ça, mais juste en jouant, juste avec de la musique que j'aimais bien, tu vois. Je mettais même plus le son du jeu. Et petit à petit, pendant cette séquence-là, j'ai réappris à reprendre un peu de plaisir sur le jeu. Et maintenant, je joue, mais tranquille, comme ça. Ah bah tiens, hop, je suis bronze. Rien à foutre. Tiens, ah, je suis bien de passer silver, ça fait plaisir. Ah, je suis bronze, bah, rien à foutre. Mais c'est pareil comme toi. C'est exactement comme toi. C'est vrai parce... genre, je mets Radiant Brimstone dans le titre pour justement voir la réaction des gens. Ouais. Et t'as des gens qui viennent sur le stream en mode « Mais t'es pas Radiant, t'es nul. » J'ai donc, selon toi, le rang fait la personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, moi, ce que j'apprécie Valorant, mais c'est mon jeu, c'est un des jeux vraiment que j'ai, que je kiffe le plus. Vraiment, c'est le jeu par excellence. Genre, quand j'arrête le stream, je sais pas à quoi jouer. Tu vois le délire, quoi. Tu vois le genre. Mais pour moi, Valorant prend trop en compte les kills. Y a pas assez de statistiques pour grind le... Pour grind. Par exemple, si imaginons t'as une siège qui reste tout le temps en retrait, qui fait son taf en termes de kill, mais qui fait full heal, qui fait full revive, etc. Ouais. Elle aura moins de points qu'une Reyna, par exemple, qui fait 29 kills. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, parce que c'est son job de gagner, enfin c'est leur job de gagner la game. Mais je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça vraiment dommage de uniquement compter sur le kill. Or que, on est bien d'accord, à côté, mais tu as, je sais pas, par exemple, un Cypher qui met les traps, qui ralentit tout le temps tout le monde. Mmh. Je te promets, t'as j'ai vu un Cypher avec la nouvelle méta, genre, ouais. il était sur A, imagine-toi sur Raven, il était tout seul, je fais « You help ?» Il fait « No, it's okay, okay, pas de problème. » Fixe BP, tout va bien. Il ne passait jamais. Et à un certain moment, plus personne ne venait sur son side. Ce qu'on sait, c'est que vu qu'il venait plus jamais sur A, bah, il foutait tous ses traps sur A, il venait directement en B. Ouais. Donc je trouve ça un peu dommage que ça fonctionne uniquement sur le kill. Maintenant, avec la nouvelle méta des ranks, j'ai plus l'impression que ça change beaucoup. J'ai vraiment cette impression-là. En mode, quand tu fais 15-20 kills, tu as plus ou moins, j'ai l'impression, les mêmes points qu'une personne qui fait par exemple 10 kills. Ouais. J'ai vraiment cette impression-là. Maintenant, je peux peut-être me tromper. Je pense que tu as en partie raison parce que Riot nous avait parlé de ça et ça fait un petit moment et c'est pas encore apparu clairement. Je pense qu'ils l'annonceront clairement parce que ce sera un vrai breakthrough. Je trouve plus le mot en français, mais une vraie. Un vrai cassage de... Je ne trouve pas le mot en français. Bref, il nous avait annoncé effectivement qu'il cherchait absolument à trouver des solutions pour compter les protections, pour compter les smokes bien placés qui empêchent la visibilité sur combien de personnes. C'est très compliqué à calculer parce que tu as des algorithmes derrière. Si vous ne connaissez pas vraiment la technique, la programmation informatique ou le reste, c'est des choses qui sont très compliquées à compter. Alors qu'un kill... Tu mets une tête, dégâts 0, hop, tu remplis plus 1, ouais, et ça c'est facile. Mais effectivement, ouais, compter le fait qu'une Sage va soigner 5 fois une personne et que ça va lui permettre à cette personne de prendre un kill, ou un Cypher qui prend un trap, qui va réveiller la personne, et c'est un assist, ce qui pourrait être un assist ou une passe au football par exemple, c'est des choses extrêmement compliquées à calculer. Et je pense que Riot finira par le faire, mais il va leur falloir du temps, et il faut que ce soit bien équilibré aussi. Il y a une réelle évolution comparée à ça, comparée à CS. Genre CS, c'était vraiment l'IM. Bon, après, ils ont compté un peu le stuff, etc. Genre les bombes plantées et tout. Mais là, tu vois vraiment que Valorant... Un bête truc, un autre exemple, c'est que Valorant vise à être tout public, tandis que CS, non. Va près d'un maire ou, je sais pas, d'un organisme. Tu dis, voilà, c'est des terroristes contre des comptes terroristes. Il va jamais accepter de sponsoriser ton truc. Tandis que quand t'arrives... Dixit la Chine. Quand tu arrives devant un responsable, tu dis ben voilà, c'est des défenseurs contre des attaquants. Tu dis voilà, l'objectif c'est d'aller mettre le spike soit sur A, sur B ou sur C s'il y a, trois sides. Tu te dis ok, c'est innovant. Et rien que par exemple, on va pas continuer, mais genre Valorant. Il n'y a pas les mots qui fâchent, ouais, tu as raison. Non, mais qui a renouvelé, genre qui a dit bon, nous on fait une map à trois sides. Tout le monde demande pardon. Avec des téléporteurs. Ouais, même avec des téléporteurs, c'est vrai. Ou avec des tyroliens et tout. Ouais. Et franchement, je trouve que Valorant. A donné une grosse claque au FPS. Quand tu vois CSGO a dit oui, on va refaire Source 2, on va renouveler le moteur graphique de CSGO, on va sortir un nouveau CSGO. Tout le monde était là en mode waouh, enfin ils se réveillent et tout. Au final, ils ont rien fait. Ils mettent juste des mises à jour juste pour bannir des gens, etc. Mais le reste, ils font pas réellement grand chose. Donc je trouve ça dommage. Valorant, c'est en constante évolution. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a plus l'impression qu'ils veulent sortir plus vite des skins que des mises à jour, on va pas se mentir.
Mais quand ils sortent une mise à jour, c'est pas une mise à jour pour un truc, c'est genre pour 15-20 trucs qui sortent. C'est ça. Et ça fait plaisir à voir. Le jeu reste gratuit du début à la fin. Et ce n'est pas un pay to win non plus, ça, c'est important de le dire. Let's Go est gratuit maintenant. Hein. Il ne l'était pas. Il ne l'était pas à l'avance, il n'était pas avant, mais maintenant il est d'accord. Gratuit. Si vous voulez tester CSGO, petit tip, vous pouvez tester CSGO gratuitement, mais vous ne pourrez pas lancer avec des primates, etc. en ranked, vous devrez absolument acheter le jeu. Donc c'est, d'accord. On va dire, une bonne alternative. Non, début il était payant au début. Hein. Et en fait, dis-toi qu'il y avait des gens qui avaient genre... Il y avait 5-6 comptes et qui passaient leurs comptes entre eux parce que, bah, tu sais, quand on a un qui est banni pendant, je sais pas, par exemple, une semaine parce qu'il a des co ou je sais pas quoi, bah, tu te dis, ouais, c'est un peu contraignant, bah, attends, je vais te passer mon compte. Donc, imagine-toi, le jeu à l'époque, je sais pas, il coûtait une quinzaine d'euros. Ouais. C'est quand même pas mal d'argent, quoi. Bah, ouais, clairement. Tiens, j'en profite pour répondre rapidement dans le chat. Du coup, Devskin, le Challengers commence demain en Europe. Par contre, elles ne seront pas streamées avant vendredi. Et vendredi, ce sera sur la chaîne 1PV Valorant. Tu le verras, de toute façon, tu sélectionnes Valorant en catégorie. Oui. Ce sera sans doute la chaîne avec le plus d'audience. J'en profite pour faire un petit coucou à Connect également. Et Zinaziz également. Bienvenue, messieurs. On va parler, justement, on parlait de tournoi, on va parler un petit peu de cette initiative. C'est un petit peu l'initiative qui m'a beaucoup intrigué, et surtout ce sujet-là dont je voulais que tu nous parles. Peux-tu nous parler, je vais chercher les assets pendant que tu nous en parles, peux-tu nous parler un petit peu de la Stash Cup. Comment est-elle née? Qu'est-ce que c'est? C'est parti d'un sub goal, en fait. C'est parti d'un sub goal où je devais faire une cup Valorant à 250€, une cup... CSGO à 250€, et comme j'ai dit, CSGO, je l'ai complètement boycott, genre vraiment. D'accord. Genre, le dernier tournoi que j'ai casté, c'était le number one, et je vais plus te mentir, CSGO, ça me... J'aime bien regarder le cast, j'aime bien regarder le cast anglais, etc., même de temps en temps le cast français, mais je sais pas, je pense que vraiment l'aspect tryhard, j'ai vraiment décroché. C'est comme disait Zay, c'est comme ça qu'il se dit? Ouais. L'aspect tryhard me plaît plus du tout, mais vraiment plus du tout. Donc à la base, on avait fait les Valorant Elimination Series avec Cosinus, avec 400€ de cash prize. Ouais. Et là, on s'est dit, en fait, des tournois amateurs, il n'en existe pas. Avec un gros cash prize, ça n'existe plus. C'est fini. Genre, t'as des 50, 100. C'est vrai. Genre, il y avait Overmaster, c'était 1300 et une brouette. Oui, on en a parlé un petit peu. Ouais. C'est un gros tournoi aussi qui fait dans le genre sur un week-end. Genre, sur un week-end, t'as pas, on va dire, des tournois avec 500€ ou 1000€ de cash prize, tu vois. Donc, j'ai proposé à Cosinus de faire première partie chez lui, première partie chez moi, enfin deuxième. D'accord. Il m'a dit oui. J'ai été voir Mysteria, enfin, je connais bien le président qui est un abonné. Je lui ai dit, écoute, ça te tente de sponsoriser. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, 500€ de cash prize, donc voilà. Donc, le samedi, c'est de 10h, ouais, 10h à 18h. Et le dimanche, c'est de 13h à minuit. Donc, voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire. Je tiens juste à préciser, ce n'est pas un tournoi communautaire. Voilà. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, mais Dwight, tu vas faire ça sur ta chaîne, c'est un tournoi communautaire. Non, ce n'est pas un tournoi communautaire. Tout le monde peut participer. Et l'objectif, c'est simplement en fait que ces tournois amateurs puissent mettre en avant les équipes amateurs. C'est ça l'objectif. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que il est de plus en plus difficile de sortir son épingle du jeu sur, en tout cas, Valorant. C'est très difficile. Donc on s'est dit, bon, on va faire ça. Effectivement, à quel point de vue sortir son épingle du jeu Là, en fait, dis-toi que c'est pas fini. Genre là. Là, si tout va bien, bon, je le dis un peu, je le dis comme ça un peu, mais c'est pas sûr. Hein. Genre, vraiment, il y a genre 5% de chance que ça se fasse, quoi. Mais si les 5% de chance, si vous croyez en la chance, ben voilà. Mais il y aurait potentiellement une ligue Valorant, je sais pas, plus ou moins à 2 à 5 000€ sur un mois. Donc, on sait pas trop comment ça va se passer. Mais voilà. En fait, le problème, c'est que. Sur CSGO, l'amateur, il y en a beaucoup. Maintenant, beaucoup moins, vu qu'il y a Valorant qui est sorti. Hein, tout bien. Mais sur Valorant, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui prend le risque de créer une communauté. Où, en fait, le problème, c'est que, regarde, les bons casteurs, genre MH, etc., ils sont où? Ils sont chez 1PV. Donc, quand tu vas aller les chercher, tu dois sortir le billet. C'est logique. Cosinus et moi, vous venez aller nous chercher, vous devez sortir le billet, c'est normal. Parce que Cosinus, lui, il a cassé avec Vitality et tout. Moi, j'ai cassé avec SL. C'est normal, entre guillemets, qu'on soit payé.
Donc en fait, le problème, c'est que les gens veulent du pro pour de l'amateur. Donc, enfin, du cast pro pour de l'amateur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué. Maintenant, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que personne ne tente l'aventure de se dire, ok, on va mettre 50 à 100 balles, même 200 balles, et on va faire une cup amateur. Et je trouve ça tellement dommage parce que moi, des viewers, etc., je les ai connus sur des casts Valorant. Et ils viennent de plus en plus souvent parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Ouais. Genre là, la Stash Cup, genre c'est Cosinus qui dit ouais, viens, on appelle ça la Stash Cup. C'est sûr. À la base, ça devait s'appeler Valorant Pie ou de Spike Cup, tu vois. D'accord. Et puis Cosinus, tu me dis viens, vu qu'on a tous les deux la moustache, maintenant viens, ça va être ça la Stash Cup. J'ai fait vas-y go. Et voilà, le logo est sorti, etc. Alors il faut savoir que c'est Oribus, donc président d'eSport Square, qui s'occupe de tous les assets. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui a fait tout. Et c'est lui, entre guillemets, qui a créé le tournoi, etc. Donc, si vous êtes intéressé, dites-vous bien que oui, peut-être que vous allez vous faire, comme j'aime le dire, vous faire détruire. Mais au moins, vous pourrez montrer votre vrai niveau. Vous pourrez vous tester à des équipes qui sont là pour la gagne et qui ont un cash prize quand même assez conséquent. Donc, n'hésitez pas vraiment à participer. Donc, absolument. Bah là, je fais passer les assets hein, pendant que voilà. les deux assets qu'il y a sur Twitter, effectivement. Mais voilà en fait le problème, on va dire, j'ai plus l'impression que c'est là par exemple, ok, il y a les challengers ce week-end, mais genre je vois des équipes qui se plaignent qu'il n'y a pas de tournoi amateur, t'en crées un et ils ne viennent pas, t'es là. Alors moi je dis toujours c'est la charrue qui se fout de l'hôpital, même si c'est pas ça l'expression bien évidemment, mais c'est toujours la charrue les bœufs. Mais t'es là un peu en mode, les gars, vous demandez des compétitions amateurs et vous venez pas. Enfin, il vous faut quoi de plus en fait? Ouais. On prend le temps, je prends le temps de prendre un sponsor, etc. Là, bah, c'est dans 3 jours, il y a 13 équipes sur 32. Avant, on devait pas aller les chercher. Maintenant, on va aller chercher les équipes. Je trouve ça tellement dommage. Maintenant, je comprends qu'ils ont envie de participer au challenger de Valorant. C'est tout à fait louable. Tout à fait. Mais qu'ils viennent pas se plaindre sur Twitter, genre 2 secondes après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je te rejoins complètement, Dwight. Alors ça fait quelques mois déjà, mais quand j'avais vraiment commencé à m'intéresser à la scène, j'avais même commencé à caster d'ailleurs, c'était sur des petits tournois de ci, de là. Et au fur et à mesure, ben, comme toi du coup, j'étais parti sponsoriser. D'ailleurs j'avais même mis, pour 2 ou 3 cups d'ailleurs, j'avais même mis de ma poche un petit cash prize pour essayer de faire un petit truc, tu vois, attirer les équipes françaises. Il y a eu quelques équipes européennes, on en parlait en off juste avant aussi, qui étaient venues, c'était chez la Lolwyn d'ailleurs, c'est sur un de ces tournois-là qu'on a fait nos premiers casts avec MH. Je crois que c'est son premier sur une demi-finale justement de la Lolwyn Le Cylindre Cup. Ça, c'est vieux déjà maintenant, ça a plusieurs mois. Et effectivement, tu as raison, on avait un petit peu de mal à trouver des équipes. On devait aller les chercher un peu à gauche, à droite. Mais après, c'est toujours un petit peu compliqué, notamment à un autre niveau. Tu vois, moi, j'aimerais pouvoir continuer à sortir un petit peu de cash, à sponsoriser des petits tournois comme ça pour que les équipes en croissance françaises et autres viennent se fighter et créer ce petit bassin, en fait. Et typiquement, on n'a pas vraiment de ROI déjà à haut niveau. Et à notre niveau, nous aussi, tout l'argent qu'on met, en fait, c'est pour la passion, quoi. Il y a absolument rien qui vient. Il y a quelques viewers d'audience de plus. C'est peut-être ça aussi qui, à ces petits niveaux-là, freine un petit peu la chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu as tout à fait raison. J'ai rien à dire de plus. Mais par contre, quand il y a l'occasion, c'est toujours bien de pouvoir faire un geste envers la communauté. Si elle est là, c'est bien. Si elle n'est pas là, c'est dommage, ça passe un peu, ça te décourage un petit peu des fois à continuer, tu vois, à réitérer. Mais c'est aussi un objectif indirect, je le dis souvent, mais le Valo Hebdo ici, c'est une petite émission tout à fait modeste, comme je le disais juste avant. Mais je veux parler des petites équipes que personne ne connaît. Pourquoi t'es pas à la Cup? Non, mais voilà, exemple, pourquoi il n'y est pas? Il n'est pas qualifié, qu'il vienne, qu'il montre qu'il est le champion du monde. Au moins, il repartira. Attends, c'est combien? 300 euros pour la première équipe. Au moins, il pourra aller s'acheter un gros grec. Voilà. Tranquille. C'est ça. Ah, tu veux que je passe quand on parlait, juste pour savoir, boys. Bah, écoute, viens nous parler si tu veux. Si t'as 5 minutes, Dwight, on va,
On va faire venir l'ami Querzy. Ben, si tu te souviens du chemin du Discord, viens et puis je te mets avec nous. Querzy qui était mon deuxième invité d'ailleurs dans l'émission. D'accord. Fait déjà un moment, c'était en octobre, novembre. Okay. Mais ouais, très clairement, cette petite scène française, moi je l'adore. J'essaie de suivre un petit peu les équipes. Tu vois, la culotte, je fais la pub des managers, des petits coachs, etc. Des gens qui font vivre un petit peu cette scène-là. Pas que des Brahms, pas que des Firos, pas que des grosses équipes qui, elles, n'ont pas besoin de publicité. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, là, tu vois, à la fin de chaque émission, je propose l'agenda de la semaine. Il y a les gros tournois à aller regarder. Mais il y a notamment les petits tournois. Je vais sur eSport Square, je vais sur Tournament. Je fais le tour de toutes les petites initiatives françaises. Et puis, je propose ceci, cela. Tiens, là, la semaine dernière, petite trouvaille assez rigolote. Tournoi 1v1 sur Valorant. Mmh. Bah, c'est difficile à mettre ça en place. Comment tu fais ? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai organisé, mais en tout cas j'ai vu le truc, tu vois, ça me serait complètement passé à côté. Et voilà, petit tournoi 1v1, je castais avec le crew d'un PV le week-end dernier, mais j'aurais été voir ça si j'avais eu le temps. Ah, c'est bon, il est là, l'ami Querzy, on va le faire rentrer. Allez. Lorsqu'il se sera démute. Hello. Comment est-ce qu'il va ? Bah ça va et toi ? Et vous ? Et bah plutôt. Écoute, au top. Content de t'avoir du coup. Alors raconte-moi un petit peu cette actualité brûlante du VCT. Franchement, honnêtement, dégoûté. Hein. Ouais. Si tu veux plus savoir, en gros, coup, j'étais avec tout ce qui est Orcus, vétérans, etc. J'étais en inter. Ouais. Il y a deux semaines, une semaine ou deux. Et en fait, je leur ai dit que concrètement, le rôle que j'avais donc de smoker, j'étais pas forcément plus à l'aise. Et c'était pas là où vraiment je pouvais performer, on va dire. Ouais. Et puis même si en soi, genre me priver de quelque chose, je m'en foutais. Tu vois, pour une équipe, je m'en foutais. Mais je voyais que je travaillais pas plus que ça. Je sais pas, il y avait de l'envie, mais sans trop. Je sais pas, c'était bizarre. Tu vois, genre, on a fait les Nice Cactus, c'était quand ? C'est il y a deux semaines ? Ouais, on avait fait les Nice Cactus, ouais. Ouais, les Qualifiers, on est arrivé en demi-finale contre Enterprise. Nice. Contre Enterprise, on fait un 13-9 et un 13-8. Donc, tu vois, ça allait. On n'avait jamais prac ensemble ni rien, donc ça allait. Ok. Puis derrière, on fait un Nice Cactus, sans préparation, sans rien. Et moi, je voulais me préparer de base. Je voulais qu'on taffe des trucs. Au final, on n'avait quasiment pas prac. On jouait double entrice. Mais sans jouer double entry, enfin il y a des trucs qui me plaisaient pas du tout et je le disais, je sais pas, ça changeait rien, donc m'a saoulé. D'accord. Du coup j'ai dit que je préférais retourner soit sur du FR, soit sur de l'entry pur et dur. Au final, je me retrouve dans une équipe FR, je remonte un projet avec BSP que t'as dû caster à l'époque. Absolument. Avec moi. Donc avec BSP, Flaz, Drains et Pablito de base. Ok. Et je me sacrifie encore, je joue Sova pour le coup. Mais ouais, après. Pas ton rôle en plus de base, ouais. Bah en fait, c'est pas mon rôle, mais je suis vraiment à l'aise. Genre, vraiment, quand c'est pour une équipe, genre, tu vois, Sova, on m'a dit, ouais, moi je suis en tri. Je dis, vas-y, tranquille, t'inquiète. Il me dit, ouais, on a pas de Sova. Je dis, t'inquiète pas. Je suis parti 3-4 heures en off. J'ai taffé toutes les flèches. Hein. Je t'ai fait toutes les arrows, j'ai joué pendant des heures en Sova en ranked pour histoire de m'habituer. Et tu vois, ça allait parfaitement. Genre vraiment, je prenais les infos quand il fallait, je faisais tout ce qu'il fallait, les ultis, je les ai pile dans les repositionnements ou quoi, enfin dès qu'il fallait quoi. Ok. Donc franchement, j'avais réussi à bien m'adapter et au final, Pablito et Drains qui s'embrouillent. Ah ouais, ça c'est horrible. Le classique. Franchement, honnêtement, pour le dire, vraiment, les équipes FR me dégoûtent. Vraiment, c'est tout rappelle pensant. Toi CS, hein. Rappelle-toi CS. Mais, hein. Bien sûr, sur CS, c'était exactement la même chose. Et là, pour moi, mon ressenti doit être vraiment, toi qui m'as casté en plus au début et tout, genre au début, ouais. Tu avais Calu et tout, on s'embrouillait jamais. Non, jamais, bah, jamais, ça, jamais, on était resté des mois, tu vois, ensemble. Genre, on était resté des mois et des mois, des mois. Ouais, les time to play, effectivement, vous avez fait des belles. Time to play, vous m'avez vendu des rêves. Hein. Ouais,
Absolument. Non, on avait fait des bêtes de perf et tout. Franchement, si Alu n'avait pas retrouvé un taf et que, bah, par exemple, Style ou même Riz n'avait pas arrêté, ouais, on serait toujours ensemble, tu vois. Mm-hmm. Surtout que bah, maintenant, je peux le dire, je m'en fous. Tu vois, on devait signer chez Exil. Chez Exil. On devait signer chez Exil. Non, c'est pas, attends, c'est pas Exil, je suis un ouf. Attends. Tu sais que j'ai un trou de mémoire. Attends, chez Exil, ça m'étonnerait. En Lituanie, mais Non. Oui, attends, mais j'ai un trou de mémoire. Je vois l'équipe, j'étais sur le bout de la langue aussi. Attends, j'ai Discord. Exalti. On devait aller chez Exalti de base. D'accord. Ah ouais, okay. D'accord. Du coup, on avait. Si tu veux, en gros, je sais pas si vous voyez comment ça s'appelait, le Occitanie Esport. Ouais. Yes. Le Occitanie Esport. Du coup, on l'avait fait avec Alu, Riz, BSP, Style et moi. Mmh. Et en fait, après l'Occitanie, bah, du coup, on avait la vidéo de présentation de chez Exalti. Du D'accord. coup, on avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, le pile le jour, il me l'a envoyé et qu'il m'a dit bah, c'est bon, on a les contrats, on a tout. Steve nous a dit ouais, bah, je peux plus jouer parce que je reprends la fac. Et lui nous a dit ouais, bah, dans deux semaines, je reprends le taf. Ah. Et ils avaient trouvé tout pile au même jour et en gros, bah, ça a split du coup pour ça. Mais après, ça a split en soi. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, enfin, pour toi et pour les gens qui nous regardent. Avec mon staff, donc avec ma modération, je me permets un cylindre. Je t'en prie, t'es l'invité. Je t'ai fait venir pour ça. Hein. T'es fait venir pour on ça. On a un sub goal à 1400 subs. J'ouvre la Malandrin eSport Academy, dans le sens que ce sera moi qui serai le coach. Alors, tu vas me dire, toi, tu pues la merde. Ouais, je pue la merde, mais en coach, je suis totalement différent que sur le stream, quoi. Je te rassure, tout ne tracasse pas. Mais en clair, c'est... Donc, je prendrai le temps de m'occuper de l'équipe, etc. Et une fois que l'équipe est prête, je les envoie ailleurs. Enfin, c'est pas... Je les tège, mais genre... j'essaye de les amener dans une vraie structure. Tu les pousses vers le haut, Exalti. Ouais, voilà. Genre Exalti, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de joueurs, genre Radiant, etc., qui sont très, très bons. Mais genre vraiment très, très bons. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre dans l'équipe. Des fois, c'est... La dernière fois, je coachais genre une équipe qui s'entraînait pour la Stage Cup, mais bon, ils ont arrêté le projet. Ils ne s'écoutaient pas. Et ils s'engueulaient dans le channel alors qu'ils gagnaient. Enfin, tu vois le délire. Je dis, bah, les gars, écoutez-vous, en fait. Ça sert à rien. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs, malheureusement, n'arrivent pas à mettre leur ego de côté. Je trouve ça tellement dommage. Parce que tu as des joueurs, ils mettent des pépites, ils sont tellement bons. Ouais. Le teamplay, des fois, est tellement insane. Je me rappelle, genre, les premières Valorant Elimination Series qu'on a fait, mais tu avais des équipes, mais pff, les pics costauds, insane. Ouais. Time to play, insane. Tu avais des teamplays, mais genre, c'était intuitif. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis deux minutes. C'était intuitif dans le sens qu'il n'y avait pas besoin de genre ouais mais moi je vais là etc. Non, c'était genre ok tu vas là boum, ok moi je vais là boum, tu vois, le team play, c'était fluide. Ouais. Je trouve ça tellement ouais. Et c'est un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps. J'avais déjà ça sur CSGO, mais là ça va être sur Valorant. Donc si on atteint le goal, voilà. Très bien, très bien. Okay. Effectivement, ouais, on le rappelle pas assez, mais être très très bon individuellement en solo, c'est excellent, c'est souvent un prérequis pour devenir pro ou semi-pro. Mais c'est une chose, où, mais... C'est ça, là où les pros et ceux qui restent font la différence, c'est qu'ils arrivent à avoir ce niveau-là tout en étant en harmonie avec les quatre autres dans l'équipe. Et ça, c'est beaucoup plus dur. C'est le briefing, des fois. C'est l'ego qui joue beaucoup. Je pense que Quer sera d'accord avec moi. Et on détourne un peu du débat, mais on détourne un peu de la question de base. Mais genre, par exemple, les équipes CSGO françaises, le trois quarts du temps, elles split parce que l'ego est mal placé. Genre les joueurs, les joueurs, quand tu vois NBK, Shox, etc., à l'époque, quand ils jouent ensemble, genre, il y avait UAPI qui a voulu bench un joueur, donc il y en a un autre qui a pris sa défense, etc. Enfin, des fois, ça part tellement loin pour des bêtises en soi. Honnêtement, en vrai de vrai, les équipes françaises n'ont jamais eu un regard professionnel. En fait, c'est à la différence des autres équipes comme Astralis, par exemple. C'est Astralis, je prendrais toujours un exemple. C'est qu'Astralis, c'est... Ou certes, des mecs qui s'entendent super bien en jeu, et même en dehors du jeu, je pense. Mais tout d'abord, pour eux, c'est un travail. Ils regardent le jeu comme un travail. C'est-à-dire que le mec, il se pointe à telle heure, il finit à telle heure, parce que le mec a la dalle, et en fait, le mec veut un objectif. Il se dit pas, je vais rester à tel endroit. C'est, il se dit, bah, je suis là pour travailler en équipe. Et je, genre, si on me dit, bah, tu travailles pas, bah, tu seras pas entry parce que, bah, il y a un meilleur entry que toi. Le mec, il prend pas en mode,
Putain, mais attends, le mec, il a dit quoi là? Il a dit que lui, il était meilleur que moi. Mais comment ça, il est meilleur que moi? Non, il se dit juste, ah bah, il est meilleur que moi. Ok, pas de galère, je vais prendre son truc et je vais taffer. Et comme ça, il y a un équilibre qui va se créer, tu vois. Ouais. C'est en mode. C'est le, en fait, le truc, moi, je pars, tu vois, et par, c'est pour ça que je suis parti en inter, et c'est pour ça que même dans les équipes françaises, maintenant, je le fais. C'est pour moi, je veux plus être entry. Je veux plus avoir l'étiquette entry, et frère, tu sais jouer que Rez et Jett. Ouais. C'est je veux l'étiquette en mode, tu me veux dans ton équipe, y'a pas de soucis. Moi, tu me dis, je joue quoi? Et par rapport à mon playstyle, est-ce que tu kiffes de moi? Bah, tu prends, et moi, je vais travailler. C'est ce que j'ai fait avec Time to Play, ce que j'ai fait avec tout. Chez Time to Play, j'ai tout joué. J'ai joué Omen. Donc, quand tu m'accastes le silence, je crois que je jouais Omen. Tu jouais Omen, ouais. Dwight, il m'accaste. Dwight, il m'accaste. Et je jouais Sova. Ouais, c'est vrai. Tu mets des de l'espace. Au Fear Strike, j'ai joué Raze. J'ai joué G2 avec Raze, tu vois. Ouais. Genre, j'ai vraiment été polyvalent du début à la fin. Partie, d'ailleurs. Ouais. Bah, je pense j'ai un peu dégoûté, mais vas-y. non, sincère, c'était pas du troll. Hein, c'était pas du troll. Non, je sais, mais juste, c'est dégoûté de. Bah, d'avoir rien eu derrière, en fait. D'avoir zéro débouché, genre. Mais zéro. Bah, écoute, c'est pour comme l'instant. Ça. C'est pour l'instant. Moi, comme je t'ai dit, mon projet, si on y atteint, je ferai une annonce Twitter et je prendrai pas. En fait, je prendrai sûrement des gars qui sont pas. Qui ont un bon IM et qui ont pas. En fait, le problème, je pense que Cylin, tu seras d'accord avec moi, les gens qui sont très très forts, tu peux pas être fort partout. Non. Tu peux pas avoir l'IM et la vision de jeu. J'ai vu des immortals, des radiants avoir une vision de jeu, mais catastrophique. Hein. J'étais là en mode, ben voilà, uniquement Valorant. Et je suis désolé, je peux passer pour une flûte, hein, pour rester poli, bien évidemment. Mais la vision de jeu, ils l'ont pas, mais l'IM, c'est des dieux, en fait. L'IM, c'est des dieux, mais la vision de jeu, il fait, ouais, mais je comprends pas comment il m'a mis par derrière. La mécanique, ouais. C'est la mécanique de jeu. Ouais. Ça s'apprend. Moi, quelque part où je suis pas bon, où c'est une lacune, c'est mon crosshair placement et mon IM. Mais où je suis très très fort, c'est je regarde ma map, je dis ok, il peut arriver par là, hop, je vais me mettre là parce qu'il va reprendre le back de mon coéquipier. Si je meurs, c'est pas grave, bah, au moins je reprendrai le back. Ouais. Je me retrouve dans cette description aussi, Dwight. Effectivement, je suis très très mauvais en aim, mais par rapport à mes collègues qui courent dans tous les sens comme des cons, j'arrive à peut-être un peu mieux lire le jeu. Et c'est un avantage aussi, ouais. Tu as raison. Et c'est triste parce que t'en as, ils sont très très forts. Et il leur manque rien pour être pro, tu vois. Il le manque. Genre Mixwell, je le regarde beaucoup. Lui, il a tout. Bon, il a peut-être un peu des fois, genre. Il a un melon surdimensionné, mais. Oui, mais je te parle pas de ça. Je te parle uniquement du jeu. Je te parle pas de la personne, je te parle uniquement du jeu. Honnêtement, pour l'avoir joué et l'avoir prac. Il a un très bon IM, il est stable là-dessus. Mais au niveau de la vision de jeu, je trouve qu'il est bon aussi, tu vois. Mais en fait, c'est des mecs, en fait, ils se sentent tellement plus pissés, entre guillemets, aussi. Que en fait, ils vont faire des erreurs et ils vont pas s'attendre à certains. Genre nous, par exemple, tu vois, on arrivait contre eux, ils pensaient qu'on était personne. On a juste travaillé une semaine, hein, mais on a travaillé. Pendant une semaine, c'était du... Je cherchais même des cours et tout pour venir jouer à 15-14 heures jusqu'à minuit, où c'était des strats de 14 heures à 17 heures, ouais. Ou voire 14 heures à 18 heures. Et après, derrière, on enchaînait avec les pracs, avec des pracs constructifs. Et sur Bind, on était imprenable. Parce que sur Bind, on a taffé des compos ou même, tu vois, des trucs, juste un truc. Personne ne l'avait vu. On a sorti un ulti Breach avec un ulti Omen combiné avec un ulti Raze. Plus double satchel dans le elbow, personne n'avait pris l'elbow comme ça. Personne n'a réussi à me prendre l'elbow comme ça. Parce que les mecs n'ont jamais réfléchi à ça. Ouais, mais c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et je pense, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la scène amateur française, s'il y aura des gros projets qui vont se faire. Là, pour moi, tu vois, déjà, j'attends de voir les VCT. Ouais. D'ailleurs, je viens de voir qu'Anthropique vient d'annoncer la line-up là, avec Twisted, VladDD, Hippo, Apo et TF. Ça a l'air pas dégueu, je les ai vus un peu. Ils l'ont annoncé officiellement là ? Ouais, ça, ils viennent de l'annoncer il y a 4 minutes. Ouais. D'accord, j'avais eu le leak la semaine dernière, mais j'avais pas eu l'info officielle. Ok, non, ouais, c'était sûr. Effectivement. Donc, de toute façon, là, ils sont en train de tout annoncer là. Bon, Cylindre, je t'aime pas, hein, mais je comprends.
Est-ce que on a quelque chose encore à rajouter? Est-ce qu'on a encore s'exclamer? Écoute, on peut te diriger vers la sortie comme ça. Du coup, rappelle-nous brièvement, mais j'en reparlerai, j'ai les assets encore. La Stash Cup, pas facile à dire. C'est le 6 et 7 février. Ouais. 500€ de cash price. Tout niveau est autorisé. Hein, pas besoin d'être. Je suis pas Radiant, je peux pas jouer. Dites-vous bien, ce qu'on veut voir, c'est du beau jeu. D'accord. Bien évidemment, si vous avez la gagne et vous voulez tester vos compos, n'hésitez pas à justement profiter de ça. On vous rappelle que s'il y a 32 équipes et qu'il y a une belle audience, on va pouvoir aller chercher potentiellement 1 000€, c'est l'objectif, puis 1 500, puis 2 000 et ainsi de suite. On compte faire évoluer le projet, c'est pas juste un one shot, on compte vraiment le faire évoluer, donc n'hésitez pas à venir avec vos équipes. Absolument, c'est dommage que tu parles, effectivement on avait quelques réponses dans le chat vis-à-vis de ça, sur les tournois amateurs et le reste. Ah mais c'est vrai que la com c'est le plus dur. Gros problème. Ouais. Mais en fait ce qu'il faut c'est triste hein, mais il faut pas prendre des casters qui ont genre 10 viewers, enfin qui ont 10 followers sur Twitter. Tout c'est à fait. Comme moi, ne me prenez pas moi du coup. Non mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais genre, bien en toute il faut communiquer, un maximum. Il faut communiquer un maximum. On n'a pas le choix. Genre moi j'en parle tous les jours sur mon live. J'en parle tout, enfin pas tous les jours sur Twitter, mais j'en parle assez souvent. En fait, si tu ne parles pas sur Twitter, t'es oublié. Ouais. T'es oublié. Il faut tout le temps continuellement parler. Genre un bête exemple, hein, les annonces de live que je fais. Quoi, je sais pas si t'as vu. Va voir. Si t'as pas si, vu. Si t'as si pas. Si t'inquiète. Je mais tu me fais rigoler tous les matins. Ouais, pareil. Mais voilà, c'est ça l'objectif. C'est vraiment. En fait, tu dois marquer l'esprit. Tu vois. En fait, le truc, c'est que ce qui est bien Dwight avec toi, tu vois, et ce que tu diffères des autres, c'est qu'en fait, tu vas chercher là où personne ne fait. Et c'est là le fait que tu tapes là-dedans et que tu fais que tu vas avoir de la visibilité, la niche. Et ce que j'ai pu observer, tu vois, et que je te relis, enfin je reviens à toi du coup directement là-dessus, c'est que c'est exactement pareil pour les joueurs, tu vois. Les joueurs, moi c'est Alu et du coup sa copine Rose qui m'a expliqué ça, parce que je le faisais pas du tout avant Valo du moins. C'est que Twitter, c'est trop important. Ouais. Ah ouais, c'est giga important. C'est ta vitrine. En fait, moi je tweetais tout, tu vois, par rapport à Time to Play. J'ai pris là les follow et forcément, du coup, j'ai un cercle qui s'est agrandi de possibilités de. Tu vois, par exemple, avec mes follow, j'ai pu aller parler avec certaines personnes que je n'aurais pas pu avant, tu vois. Puis, enfin, les personnes qui te suivent, par rapport aux personnes qui te suivent, tu débloques d'autres trucs. Les personnes qui vont like ou retweet tes tweets, tu vas avoir plus de visibilité. Genre, je te dis par exemple ça, genre, je crois que j'ai des stats vite fait. Avant, j'étais à 1 200 impressions, 3 000, tu vois, sur Twitter. Maintenant, je suis à des 100 000 sur des posts. Je pense que moi, je suis à 400 000 et pour moi, ça me semble un chiffre totalement astronomique, tu vois. Enfin... Imagine, moi, pour un joueur qui, en final, je suis personne, tu vois. Ouais, en final, je suis personne et genre, attends, je sais pas si j'ai les stats là, vite fait. Tac, tu vois, je prends des. Tu vois, en un mois, j'ai pris. Écoute, de... Quers. Ouais. Tu m'entends? C'est l'impression que vous m'entendez. On t'entend. Oui. Je vais donner le mot de la fin, enfin pour moi en tout cas. Écoutez, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que quand vous allez mal, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner le smile. Moi, je suis là au matin si vous voulez venir. Là, Cylindre, c'est un réel plaisir, un honneur, que dis-je, qu'entends-je ? Un plaisir. d'avoir été en ta compagnie. Avec plaisir. T'es pas là par hasard. Je t'ai découvert grâce à Keeper et honnêtement, continue ce que tu fais, c'est génial. Si t'as besoin d'aide pour tes émissions, etc., n'hésite pas à m'envoyer un petit DM, je peux t'aider avec grand plaisir, vu que le soir, je ne fais rien. Donc, si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message. Quers, reste au contact. Si on a l'amical sans sub, je le donnerai sur Twitter. Je prendrai... donc, on prendra 5 joueurs. On fera le taf, tu vois. On fera le taf. Donc, si ça t'intéresse, tu me suis sur Twitter, hein, bien évidemment. Et si vous voulez venir le matin, tout le monde peut venir faire Radiant. Tout le monde est le bienvenu. Autre de bonne humeur de 7 à midi, mesdames et messieurs. Exactement. Et moi, je vais vous laisser. Si je ne vous dis pas, tu es titre. De toute façon, on se suit, Dwight. On se suit mutuellement. J'en profite pour spammer un petit peu le profil de Dwight justement sur Twitch. Merci en tout cas, merci à vous deux, merci à vous, les gars. On va de toute façon on va clôturer l'émission, on est quasiment à la fin, on va clôturer sur l'agenda du coup. On va parler de
des tournois, petits tournois français, allez voir, il n'y en a que deux. Il y aura la Stash Cup et puis un petit LOLwin d'ailleurs aussi. D'ailleurs, je peux dire un petit dernier truc. Alors, tu peux. Parce que du coup, ce que j'ai pas dit, parce que de base, je venais pour m'expliquer pour les VCT et au final, on est parti sur totalement autre chose. Du coup, en fait, j'avais Pablito qui a quitté la fiche d'équipe avant même qu'on le remplace. Du coup, on a perdu notre slot et c'est pour ça que je ne jouerai pas demain. Ah! Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir. Oh, écoute, j'ai donné un peu de smile, Quers. Viens demain. Viens demain, je vais te donner le smile, frère. Tu sais que je suis souvent en plus. Je suis déjà passé pas mal de fois, en vrai. Ah ouais? Tu me dis ça, je passais pas mal de fois. En plus, je te lâchais des petits subs. Ah ouais? Ah, je faisais le mec. C'est le mec, il est là en mode oh merde, oh merde. Le mec est top 1 subgifter, en fait. Il est là en mode oh merde. Ouais, mais ça, il a payé des subs, ça veut dire qu'il est pas VIP, tu vois. Parce qu'il faut savoir que moi, quand tu remplis une délite, les VIP ont toutes les infos en avance. Eh ben, bien évidemment. C'est, sinon, c'est pas drôle. C'est intéressant. Bon, allez, moi, je vais vous laisser parce qu'il y a mes viewers qui m'attendent. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, Cylindre, pour l'invitation. N'hésite pas si t'as besoin. Ciao. Avec grand plaisir, merci, je t'aiderai. Beaucoup, et Quer, je vous fais des gros bisous à vous deux. Et merci pour tout. Bisous. Ciao. Ciao, ciao. Puis, bah, du coup, Cylindre, je te dis pareil. À moins que tu avais d'autres questions, mais bah sinon, écoute, c'est tout bon. Je pars. C'est tout bon. Je tout pars bon. Sur ça, alors. Par là-dessus. Eh bah, ben, écoute, tchuss. Ciao. Et encore super tes émissions. Merci, mec. Allez, ciao. Hop, et j'ai l'impression qu'en plus, Mister Doigt, il est parti directement. Je vais le garder un petit peu comme ça. Il est parti directement en live, me semble-t-il. On va se terminer, écoutez, tranquillement, messieurs, dames, avec l'agenda. Il n'y a que deux petits rendez-vous. C'est parti pour l'agenda. L'agenda de la semaine. Alors, l'agenda de la semaine, pas de grandes complications. Ça va aller assez vite. Je vais ressortir mon asset. Il est ici. Il est là. On va aller. Tac. Parfait pour l'asset. Et on en profite pour remercier Fifi qui se sub en plus. Merci beaucoup, ma chère Fifi. Bienvenue à toi une fois de plus. Et là, j'ai encore tout raté. Ça va finir en replay. Ah bah écoute, c'est pas très très. Merci pour ce petit abo. Tu es la bienvenue. Tu me régales, ma chère Fifi. Une fois de plus, on en parlait tout à l'heure, je vous le redis comme à chaque fois, ce petit bandeau bleu tout en haut qui vous permet tout simplement de me contacter. Tenez-moi au courant des petits tournois, que ce soit de la communauté, que ce soit les tournois amateurs, que ce soit semi-pro, etc. J'en ferai la publicité, donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Le premier tournoi que je vais vous conseiller, ce sera à partir de la semaine prochaine. Il va durer toute la semaine et on a du coup des phases de groupe ainsi que des playoffs le week-end. C'est la LOLwin Cup qui l'organise, les copains de la LOLwin avec lesquels notamment j'ai débuté. Donc voilà, pour aller chercher un petit 25€, un petit tournoi d'entraînement qui vous permettra un petit peu plus tard, je pense que d'ailleurs j'y collaborerai, d'aller chercher un plus gros cash prize avec de plus grosses équipes aussi, mais en tout cas un bon tournoi. Pour s'entraîner, en tout cas, si vous n'êtes pas allé au VCT. Il est possible que j'en caste des petits morceaux la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, c'est pas encore décidé. Mais on verra un petit peu tout ça. Et Esteban qui nous rejoint, qui est effectivement Anthropic qui a officialisé son roster. On en avait parlé la semaine dernière. Je vais relire un petit peu le contenu du roster, justement, où est-il ? Il est ici avec Twisten, donc Vladd, Hip, Apo, bien entendu, et Taimu, donc pas mal de joueurs Overwatch, mine de rien, qui nous régalent. Est-ce qu'on a une petite vidéo ? Oui, on a une petite vidéo. Ben, on se matera justement la frag movie juste après. Et du coup, bien le deuxième rendez-vous, c'est celui dont on a parlé pendant la plus grande majorité de cette émission, c'est la Stash Cup, la coupe de Mister Dwight et Cosinus, justement. 500€ de cash prize à aller chercher. C'est le 6 et le 7, donc c'est samedi et dimanche, c'est ce week-end-ci.
une fois de plus, je vous encourage à aller jeter un œil, à rester et à vous enjailler sur cette petite cup. Vous allez, je pense, vous régaler. On va les regarder. Et je vais nous la mettre en grand écran, justement, cette frag movie d'Anthropic. Voilà, on va pouvoir se la regarder comme ça. Tac, tac. Allez, on se la regarde et ce sera le mot de la fin juste après. Et avec le son. Let's go, le roster Anthropic qui nous régale. Très très sympa, je sais pas ce que vous en avez pensé, très très sympa, notamment le petit, la petite partie justement, Madeleine de Proust avec les anciens jeux vidéo, on a eu du GTA, on a eu des Super Mario, on a eu de l'arcade, on a eu du CS également. Très très sympa, on va leur souhaiter également bonne chance à cette team Anthropic, ils vont en avoir besoin. Mais de mémoire, on a une très très bonne, un très très bon ADN chez Anthropic, justement, notamment pendant la partie automne 2020. Le line-up Anthropic était tout à fait solide et sympathique. On va leur souhaiter donc bonne chance. Effectivement, Opti, à très très bientôt, j'ai vu de tournoi de la scène Valorant en général. Absolument, c'est chaque mercredi. Et puis je parle aussi bien des gros tournois que des petits tournois, des tournois modestes, amateurs et semi-pro. N'hésite pas à revenir. Effectivement, ouais. Petite vidéo old school avec les filtres qui vont bien, les jeux d'arcade. Ça m'a régalé. J'ai vu le GTA 3, j'étais mais refait. Un de mes jeux d'enfance. Très, très sympa. J'en profitais, hein, puisqu'on est un petit peu décalé pour voir s'il n'y a pas d'autres. D'autres news comme ça qui sont tombées. On a vu l'annonce des Fnatic donc, qui récupère Summon FC aujourd'hui. C'était tout à l'heure. Normalement, Vitality, ça devrait être demain. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Ah si, assez intéressant. Je vais vous mettre le tweet. On va se mettre le tweet en grand. C'est à propos de la Lyon eSport. Je l'avais vu passer, mais l'annonce n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite dans l'après-midi. J'ai pas eu l'occasion de récupérer les infos. Et du coup, cette année, vous devrez faire feu sur Valorant pendant la Lyon eSport 2021. 64 équipes qui s'affrontent pour 10 000 euros de cash prize. Très sympa avec ce magnifique
Avec ce magnifique poster, la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu. Je pense qu'on devrait, on devrait retourner donc des équipes françaises qui vont nous régaler. Alors, est-ce que ce sera LAN? Ah, d'accord, ce sera uniquement en ligne. Il y aura pas de, d'accord, ce sera pas de LAN, effectivement. La Tita qui pose la question juste en dessous, c'est une bonne question, effectivement. Pas forcément. Ah oui, ben d'accord, très bien. Puisqu'on n'est pas forcément en LAN, on peut se permettre d'aller chercher du coup des équipes européennes. Intéressant, intéressant. D'ailleurs, la Tita qu'on devrait bientôt rejoindre, sur qu'on devait bientôt récupérer sur sur Valo Hebdo, à qui j'avais demandé de venir faire un petit coucou, mais qui ne m'a pas encore confirmé sa participation. On va cesser là-dessus, messieurs dames. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch, ou si vous regardez la VOD comme Fifi, ou si vous nous écoutez sur podcast. Merci encore une fois. On va se retrouver, eh bien écoutez, à partir de la semaine prochaine, à partir de mercredi prochain, pour le prochain Valo Hebdo. Si tout se passe bien, vous me retrouverez également vendredi soir dans le Valor, l'émission que je consacre avec Fer au lore de Valorant. Dans lesquels eh bien, on explorera un petit peu les histoires derrière les différents agents que vous connaissez et que vous aimez tous. Et j'aurai peut-être le plaisir, je ne sais pas encore, de vous retrouver en cast la semaine prochaine. Je vous en dirai plus en tout cas. Passez tous une excellente soirée, une excellente semaine aussi. Et on se retrouve donc vendredi. À très très bientôt.